Eh bien, salut à tous, c'est l'ami, c'est Listifoot et on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau live, le deuxième live de la journée. C'est pas le dernier puisqu'on terminera par Marseille-Lille, mais c'en est un, je pense que ça va être le plus intense avec 8 matchs en même temps, 8 matchs de Ligue 2 en même temps. On a déjà vécu Saint-Etienne-Bordeaux tout à l'heure avec une victoire 2-0 des Stéphanois face aux Bordelais. Des Stéphanois absolument énormes hein, face à des Bordelais, un peu diminués aujourd'hui, un peu moins bons. Des Bordelais donc qui ont terminé, voilà, qui ont commencé le match face à Saint-Etienne. Premiers qui sont toujours premiers mais qui vont sûrement ne plus l'être parce qu'il y a d'autres équipes et notamment des concurrents. On va suivre 8 matchs donc qui seront Annecy, Quevilly, on va suivre Caen, Amiens, Dijon, Sochaux, Grenoble, Paris FC, Laval contre Pau, Nîmes contre Bastia, Niort contre Le Havre, Rodez face à Valenciennes et Metz face à Guingamp. Enfin non, d'ailleurs, enlever Metz face à Guingamp, hein, c'est le live, c'est le match de lundi à 20h45. Saint-Etienne-Bordeaux, je vous ai mis le score, mais il s'est déjà joué à 15h et en bas à droite, vous voyez qu'il y a Metz-Guingamp, mais il ne se joue pas aujourd'hui à 19h, il se jouera lundi à 20h45. Je vous ai mis tous les matchs de la journée, comme ça vous avez tout. Bonsoir à tous ceux qui sont là, les amis. Salut Quentin qui nous met à les Dijon, on va gagner contre les Lyonceaux, nous met Quentin, salut Owi, salut The Future aussi qui est toujours présent, salut Pichu Nigame, salut Mohamed, salut à Léo, salut tous ceux qui sont là, je crois que j'en ai pas oublié, salut Jordan, salut Laser Game, salut Quentin, je crois que j'en ai pas oublié les amis. D'ailleurs, avant qu'on commence cet avant-match là, on a à peu près 22 minutes pour faire l'avant-match de ce multiplex Ligue 2. Avant qu'on commence au multiplex Ligue 2, je voulais juste vous prévenir hein, de ce qui est en train de se passer entre Paris et Brest. Paris est en train de mener 1-0 sur leur pelouse face à Brest, seulement 1-0 hein, grâce à un but de Neymar à la 30e que j'ai mis sur Instagram les amis si jamais vous voulez. Et il y a quand même un truc qui est important, c'est que Slimani a raté un pénalty pour les Brestois. Très 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 bel arrêt de la part de Didio Donnarumma les amis. Quel arrêt de la part de Donnarumma puisqu'il a arrêté le pénalty de Slimani. Il y a toujours 1-0 pour moi pour le PSG. Je me suis mis les images devant les yeux, comme ça on termine de regarder Paris-Brest, comme ça si jamais il y a des choses qui se passent entre Paris et Brest, vous serez au courant. Mais voilà, il y a toujours 1-0 pour le moment pour les Parisiens. Voilà. Salut bon multiplex, salut chat, salut team. Hello, bon vu qu'on a perdu que des 0-0. Allez hop, nous met. Bon vu qu'on a perdu que des 0-0, nous met team. C'est vrai que des 0-0 pour les Bordelais, ce serait bien. Enfin, ou alors que des matchs nuls. Salut Thomas. Salut Thomas, salut AIKD, salut à toi. La cour a tranché et condamne les Bastiais à être jetés au crocodile, nommé The Future. Salut du coup AIKD, Laval 1 partout contre Pau, nommé Oui pour moi. Ouais, donc vous mettez vos pronos les amis, les pronostics, je vais faire mes pronos, etc. Mais laissez-moi le temps de réfléchir les gars. En tout cas voilà, on est à quelques minutes, on est à 21 minutes du début de ce multiplex. On va donc lancer le duel des fans les amis, mais le duel des fans ça met un peu de temps, vous savez, à lancer. Est-ce que je peux me donner les scores de Bordeaux, nommé Jérémy? Il est là le score de Bordeaux les gars, vous avez tout ce qui concerne la Ligue 2, tous les scores vous les avez là. Et donc Bordeaux a perdu 2-0. Alors, je vous lance le duel des fans les amis. Je lance le duel des fans. Oh mais ça va être long hein. Le problème c'est que ça va être long à lancer hein. Bon bref, c'est pas grave, je le fais quand même. Annecy, hop. D'abord, je vais vous montrer les compositions de. Je sais que voilà, vous êtes de nombreux à être Dijonais et Sochaliens, donc je vais vous montrer la composition de Sochaux et de Dijon, les amis. Hop, on va faire ça, tac. Composition de Sochaux et de Dijon. Là, voilà donc la composition de Sochaux et de Dijon. Hop, donc vous avez la composition de Dijon en haut et de Sochaux en bas, les amis, tac. Dijon, Sochaux, donc voilà, Dijon en haut, Sochaux en bas, je vais regarder tout ça. Pour l'instant, moi je lance le duel des fans, mais du coup ça va être long parce que j'ai 8 équipes à mettre quand même. Annecy, Quevilly. Pour Quevilly, je mettrai QRM. Caen. Amiens. Ensuite il y a Dijon et Sochaux. Hop hop. Bonjour, je suis un croco. Salut Jordan, salut Emilien, salut à tous, salut Axel aussi, salut le best du 62, salut FC Tacos, ça va très bien, salut les amis, voilà je regarde vos messages, hein, vous inquiétez pas, mais là en fait faut que je lance le duel des fans et c'est un peu long de lancer le duel des fans, donc voilà. Donc du coup il y a Dijon, il y a Amiens, je vais bien mettre un S à Amiens, nice. Hop 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 hop. Ah mais d'accord, ok. Dijon. Dijon, il y a Sochaux aussi. Je lance le duel des fans, mais comme ça, une fois qu'il sera lancé, vous pourrez voter avec les points d'exclamation dans le chat, vous savez, les amis.
Vous pouvez faire vos listes prono aussi comme d'habitude en attendant si vous voulez. Là j'essaie de me dépêcher du coup parce qu'on a commencé le live une demi-heure avant le début du match et pas une heure comme d'habitude. Donc Paris FC, Laval. Ensuite on a Pau. Après nous avons donc Nîmes contre Bastia. Nîmes. Mince. Oh non, ah oui mais mince, ça je peux pas en rajouter plus. Mince les amis, je peux pas en rajouter plus en fait. Ah je suis débile. Salut, t'as la compo de Nîmes et Niort. Ouais, j'ai la compo de Nîmes et Niort, les amis. Je vais pouvoir vous montrer tout ça. J'ai toutes les compos. Je vais pouvoir tout vous montrer, les gars. Donc, compo de Nîmes et Niort. Allez, je vais vous montrer les compos de Nîmes et de Niort. Donc, on va commencer par Nîmes-Bastia, si vous voulez. La composition de Nîmes et de Bastia. Mais je me rappelle plus que je pouvais pas vous mettre plus de 10 propositions. Mince, je suis débile. Donc, Nîmes-Bastia, vous avez la composition de Nîmes qui reçoit donc en haut. La composition de Bastia en bas, les amis. Oh, on l'appelle Flavien de Vitina quand même face à Brest. Salut, j'étais à la plage, tu vas bien? Salut Flavien. Enfin, très bien Flavien, salut à toi, j'espère que ça s'est bien passé. Alors qu'on a Owi qui nous fait ses pronostics, donc qui voit une victoire 3-2 de Caen face à Amiens, une victoire 2-1 de Sochaux face à Dijon, une victoire 2-0 du Paris FC face à Grenoble, un 2-2 entre Annecy et Quevilly, un partout entre Laval et Pau, un 2-1 pour Nîmes, un 0-0 entre Niort et Le Havre, et un 3-1 pour Valenciennes, tout ça venant d'un supporter de Nancy, donc qui est globalement neutre, je pense. Je fais un match pas pro, on a perdu 9-2 alors qu'on était les meilleurs, mais c'est un match amical, nommé Only Game. 9-2, ça fait beaucoup, c'est vrai. Une défense à 3 aujourd'hui, nommé. Ouais, défense à 3 aujourd'hui, effectivement, The Future. Sans doute parce qu'on a plus Poulain, nommé The Future. Match chaud de surveillance. Allez, dans l'avant Guingamp pour ce soir, nommé Clément Guingamp qui jouera lundi, hein, d'ailleurs, les amis. Mais il y a des matchs qui, je pense, intéressent quand même les Guingampais. Aujourd'hui, beaucoup de supporters. Nîmois aujourd'hui, nommé Pichoul, exactement, je pense, un 2-2 entre Lille et Marseille. On en parlera de Lille-Marseille puisque c'est à suivre après ce live-là. On suivra Lille-Marseille, les amis. En tout cas, voilà pour la composition de Nîmes et de Bastia. Les matchs commencent dans un quart d'heure, les amis. Vous avez les compos. Enfin, vous avez le classement juste là, classement que je peux vous montrer en un peu plus grand, hein, le classement ici avec Saint-Etienne qui est passé 12e, hein, il faut gagner pour les Nîmois, pour les Parisiens, pour les Lavallois, etc. Bref, tous ceux qui sont derrière Saint-Etienne, il faut gagner pour espérer soit revenir à égalité avec Saint-Etienne, c'est le cas de Pau, hein, si jamais Pau gagne, Pau revient, si Pau revient à égalité de Saint-Etienne, ou alors pour dépasser les Stéphanois, ça dépend, mais en tout cas c'est vrai que Saint-Etienne revient bien cette saison, et donc je vous laisse regarder le classement les amis pour regarder un petit peu les enjeux. Il y a aussi, on parle de l'enjeu du bas, parce que voilà, je vous ai parlé de Saint-Etienne qui a gagné, mais il faut parler aussi de l'enjeu dans le haut de tableau. L'enjeu du haut de tableau, les amis, il est énorme, hein, puisque Saint-Etienne a gagné certes, mais surtout Bordeaux a perdu. C'est surtout ça, Bordeaux les amis, ils ont perdu, les Bordelais. Ils ont toujours premier à 14 points, mais si jamais Amiens gagne face à Caen, même si jamais Caen gagne face à Amiens, si jamais Sochaux gagne, si jamais le Havre gagne, Valenciennes gagne, même Metz et Dijon peuvent repasser devant, pour vous dire, même si bon, la virage risque d'être compliqué, mais mathématiquement c'est possible. Donc les Bordelais, si les Bordelais sont premiers ce soir, c'est inespéré, sachant que Amiens face à Caen, si jamais Amiens gagne pas, ce sera sûrement Caen, à part si c'est un match nul, enfin bref. Mathématiquement, je pense que c'est possible que Bordeaux reste premier, mais ça m'étonnerait énormément, hein, c'est même pratiquement impossible footballistiquement, on va dire, que les Bordelais restent premiers, parce qu'il y aura forcément une autre équipe qui va gagner, hein, le Havre par exemple face à Niort. Ouais, je pense qu'ils vont s'imposer par exemple, là, vrai, bon c'est pas sûr, hein, mais voilà. Alors du coup les amis, tac, les matchs vont bientôt commencer, je vais me mettre les matchs sur devant les yeux. Du coup le PSG toujours en train de mener 1-0 face à Brest, alors que Donnarumma a arrêté un pénalty, je le rappelle. On va être 3ème à la fin, je pense, mais rapidement en parlant des Bordelais. Sochaux premier, nommé Emilien. Sochaux peut être premier. Hein. Sochaux peut être premier. J'ai la haine. Saint-Etienne font trop les mecs après leur victoire, nommé Ramtim. Après, ça peut se comprendre parce qu'ils ont galéré dans le début de saison. Gagner face au premier, c'est quelque chose quand même, tu vois. Ramtim. Mais c'est vrai que les Bordelais, voilà, ils ont passé complètement à côté de leur match face à Saint-Etienne. Hein. Ils sont passés complètement à côté de leur match face au Vert. Et maintenant, il faudra se relever pour les Bordelais, je pense, lors de la prochaine journée. Histoire contre qui d'ailleurs pour Bordeaux, j'avais vu tout à l'heure, je sais plus, je crois que j'ai deux équipes en tête. Je sais pas si c'est face à Dijon ou Laval, un truc comme ça, mais
Je crois que c'est face à Laval, hein, ou c'est peut-être Dijon en fait, je sais plus. Bref, il faudra se relever soit face à Dijon, soit face à Laval. Je sais plus qui c'est qui les affronte exactement après, les Bordelais, mais il faudra se relever, ça c'est une certitude. Alors, du coup, les amis, le multiplex il va commencer. Hein, le multiplex Ligue 2 qui va commencer dans 12 minutes, bien sûr. Je compte sur vous, les amis, dans le chat, un maximum de likes, les amis. Je compte sur vous. Vous êtes 37 à avoir liké. N'hésitez vraiment pas à liker le live, c'est gratuit, ça fait plaisir. On est en route vers les 50 likes, bien sûr. Voilà, vous êtes 55 à être présents et merci à tous ceux qui sont présents. On veut 50 likes, on veut 55 likes, les amis. N'hésitez pas, franchement, ça fait plaisir. Et moi, je vous règle juste. Voilà, je vous règle juste ça. Ça, je vous l'avais pas mis. Et il y avait un truc aussi que j'avais pas mis. C'est ici. Voilà. Voilà, c'est tout bon. C'est tout bon. Mais merci en tout cas de ceux qui likent, parce que vous êtes déjà 41 à avoir liké. Merci beaucoup, les amis. La balle est dans leur camp. Nommé 2-1 pour Dijon, nommé Quentin. Sochaux-Dijon. Ouais, donc du coup, ce sera Bordeaux-Dijon. Donc c'est bien Dijon, effectivement. Ton prono, Annecy-Quevilly. Les amis, mes pronostics, vous êtes très nombreux à me demander vos pronos. Et bah, vous savez quoi, je vais vous les donner pour chaque match, parce que j'ai pas encore fait mes listes pronos. Donc je vais les faire en direct avec vous. Mes listes pronos, vous pouvez toujours faire vos listes pronos aussi, bien sûr, les gars. D'ailleurs, je voulais vous montrer je vais vous montrer un truc. C'est le classement des meilleurs buteurs. Le classement des meilleurs buteurs de Ligue 2 que je vous remontre juste ici. Pour l'instant, je fais mes pronos, les amis. Alors, déjà entre Nîmes et Bastia. Ah, Nîmes-Bastia, ça va être chaud, hein. Nîmes-Bastia, les amis, chaud quand même à pronostiquer, hein. Vas-y, on commence déjà par un truc pas facile. Faut quand même que je me dépêche. Mais Nîmes-Bastia, je vais parier un petit. Deux équipes qui sont à 2 points d'écart. Allez, c'est à la. Au Costière. 1-0 pour Nîmes, un peu à l'arraché. 56% pour les Nîmois. Non, même pas, genre 54%. Grenoble-Paris-FC. Grenoble-Paris-FC. Ah, c'est à Grenoble. Vas-y, un partout. Un partout. Avec 55% aussi. Dijon-Sochaux. Je pense que les Sochaliens vont s'imposer. 0-2. Et du coup, il y aura 40-60 en possession. Niort-Le Havre. Les Havrais vont s'imposer, genre 3-1. Et ils auront voilà, 35 à 60. Mince. 1 à 3, 35 quoi. Laval-Pau. Putain, c'est chaud en vrai. Hein. Je réfléchis. Ouais, ça commence dans 12 minutes, donc il faut quand même que je me dépêche. Laval-Pau. Laval, ils sont 14, ils sont 15e. Pau, ils sont derniers. Pau, il faut vraiment qu'ils gagnent, mais ils ont jamais gagné sur les 5 derniers matchs. Ils ont jamais gagné de la saison d'ailleurs. Laval, ils ont gagné 2 matchs. Là, ça se joue à Laval. Je pense que Pau va quand même réussir à faire le match nul. Un partout. Avec un. Possession pour Pau, tiens. Hop là. Oh, attendez, c'est en train de. Ok, d'accord. Possession pour Pau. Ensuite, entre Caen et Amiens. Caen-Amiens. Je vois bien Laval nommé FC Tacos. Sérieux, ici 3-1 pour le hack. Tu as du mal à calculer. C'est 3-1 pour Nior nommé Jordan. Désolé, mais moi, je vois un 3-1 pour le hack. Hein. Ça, après, ça, c'est mes pronos, les gars. Donc, ouais. Tacos et Amiens. Je vois bien Laval. Moi, j'ai mis un nul. Caen-Amiens. Oh, Caen-Amiens. Punaise, c'est quoi ça? Quand Amiens, les amis, ils me demandent de pronostiquer quand Amiens, vous voulez que je fasse quoi moi avec ça? Quand Amiens, c'est à Michel Dornano, vas-y, et je vois un match de fou, 3-2 pour quand? 3-2 pour quand, match de fou, possession pour quand? Annecy Quevilly, désolé Annecy, mais là je pense que Quevilly vont s'imposer 2-0, ils auront la possession, vas-y 40-60, et Rodez Valenciennes, Rodez, ils ont joué 6 matchs, 5 points. Valenciennes, ils sont quand même pas mauvais. Hein. Après, c'est à Rodez aussi. Mais bon, Valenciennes, je pense qu'en plus, ils ont pas fait des. Leur dernier match n'était pas si fou que ça. Hein, avec un match nul face à Saint-Etienne. Ouais, ils restent sur 2 matchs nuls, une défaite. Là, je pense qu'ils vont s'imposer quand même, Valenciennes. Donc, vas-y, je parie un 2-1 pour Valenciennes. Non, même un 3-0. Genre, ils vont vraiment s'imposer tranquille. 3-0 pour Valenciennes, allez. Voilà, c'est bon les amis, j'ai fait mes pronostics. Hop là, bon, comme ça, si jamais certains n'ont pas encore fait leurs pronos, vous pouvez un peu vous aider des miens, on va dire, si jamais vous n'avez vraiment aucune idée. Allez, ça y est, le multiplex qui va commencer dans 10 minutes à peu près. La Ligue 2 est trop dure à pronostiquer, le meilleur RAM team. Ouais, enfin, après, en vrai, c'est comme de tous les matchs, en vrai, comme tous les trucs. Hein.
Salut meilleur commentateur. Enfin, dans tous les cas, les pronostics c'est compliqué, tu vois. Salut Aïe Germain qui est le meilleur commentateur. Merci à toi. Caen versus Amiens sur l'équipe 21. Je crois bien. Ouais, c'est Taco. C'est sinon vous pouvez suivre le multiplex sur la chaîne aussi, bien sûr, parce qu'on va suivre tous les matchs sur la chaîne. 5 matchs au Costières. Après, ils vont être déménagés au stade provisoire lors du match Nîmes Bordeaux 5 novembre. J'avais entendu nommer Mohamed. Oui, je crois qu'ils vont faire un nouveau stade. Hein. Tu me l'avais expliqué effectivement, Mohamed. Donc voilà, en attendant qu'un nouveau stade soit construit, ils vont faire des choses, etc. Ouais, ça j'avais, tu me l'avais dit effectivement. Alors du coup les amis, on va continuer cet avant-match du coup de Ligue 2. Vous avez bien sûr tous les matchs, hein, je rappelle les matchs, hein, Annecy-Queville à suivre, Caen, Amiens, Dijon contre Sochaux, Grenoble contre le Paris FC, Laval contre Pau, Nîmes contre Bastia, Niort contre le Havre et Rodez face à Valenciennes. Je rappelle que Metz-Guingamp n'est pas à suivre aujourd'hui, mais sera à suivre lundi, peut-être sur la chaîne, je ne sais pas, ça pour le moment je ne sais pas du tout, mais en tout cas il sera lundi le match entre Metz et Guingamp. Il ne sera pas ce soir, hein, mais je vous l'ai mis là parce que c'est quand même c'est dans la journée, vous voyez ce que je veux dire. Mais voilà, et donc là les multiplex va commencer, on va commenter tous les matchs avec bien sûr voilà les micros qui, j'en sais rien, si je commente le match de Grenoble par exemple, bah, vous aurez le micro à côté de Grenoble Paris FC, si commente le match de Nîmes, vous aurez le micro à côté de Nîmes Bastia, etc. Bref, vous en avez l'habitude les amis. Maintenant je veux vos pronostics dans le chat, il nous reste 10 minutes. Je veux un max de flamme, un max de prono dans le chat les amis, allez-y. Un max de flamme, un max de prono. Et d'ailleurs par contre je vous préviens que sur Instagram je vous mettrai pas les buts parce que là multiplex il risque d'avoir 12 000 buts. Je pourrais pas vous les mettre, excusez-moi, mais voilà, je pourrais pas trop vous les mettre les amis, les buts sur Instagram, parce que sinon il faudra en mettre une. Il peut en avoir combien? Il peut en avoir une vingtaine, même plus ce soir les amis. Enfin bref, ça va être. On espère qu'il va en avoir le plus possible. Et je pourrais pas tous vous les mettre. Par contre j'ai mis le but de Paris si vous voulez les amis. Le seul but qu'il y a eu dans le match, puisqu'il y a toujours 1-0 je crois. Hein. Je crois qu'il y a toujours 1-0 entre Paris et Brest. Hein. Ouais, il y a toujours 1-0, on est à la 90e plus 5. N'empêche Donnarumma qui a quand même bien sauvé les Parisiens. Donc ouais, j'ai mis le but de Paris sur Instagram si vous voulez. Mais je pourrais pas vous mettre les buts de ce soir. Mais par contre je pourrais peut-être le faire pour Marseille. Hop. Hop là, donc voilà, là on a le multiplex qui commence dans 7 minutes, on est prêt, on a à peu près tout dit, je peux pas vous montrer toutes les compos malheureusement, mais on les découvrira au fur et à mesure, hein, les compositions les amis. Là on a un 3-1-4-2 pour les Amiénois avec Gertner, Barry, Fofana, Mendy, Lacouer, Léotey, Gomis, Benet, Ring, Arokodare et Sissé qui nous montent là sur la Prime. Je regardais juste si je dois vous montrer autre chose. On a vu du coup le duel des fans, bien sûr, hein, le duel des fans. Vous devez juste me dire dans le chat pour qu'est-ce que vous êtes, hein. Dites-moi dans le chat les amis pour qu'est-ce que vous êtes. Si vous êtes pour Dijon, vous mettez Dijon, bref, vous pouvez me mettre de la couleur, vous faites ce que vous voulez, mais juste voilà que je comprenne un petit peu pour qui vous êtes, etc. Mais bon, c'est vrai que le duel des fans, puisqu'il y a 8 x 2, 16 équipes qui jouent ce soir, c'est un peu compliqué de faire un duel des fans avec 16 équipes, vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, j'attends et je regarde un petit peu pour qui vous êtes dans le chat, les amis, bien évidemment. Marie, Caen, Amiens, donc on a Faucon qui nous met, qui va un 2-1 pour Amiens. Allez, le hack nous met Hugo, Sochaux pour Tacos, Sochaux également pour Cyril, ça va très très bien, Marie, toujours aussi bien. Désolé, j'ai mis un M au lieu d'un N. Alors, Sochaux est plus fort, on va prendre notre revanche contre Dijon, nous met Emilien. Ah non, contre Daf. Ok, j'avais compris autre chose. Allez les Verts, nous met Thomas, Nîmes pour The Future, bien sûr. Ouais, ça, je le savais, ça se voit du coup à la photo de profil, effectivement. En tout cas, voilà, les matchs qui ont bientôt commencé, tant que les Verts remontent au classement, tout me va. Nous met Thomas, bah dans tous les cas, ils ont fait le maximum. Ils peuvent pas faire mieux ce week-end. Alors maintenant, faut voir les résultats des autres. Forcément, pour un supporter stéphanois, ce serait bien que Pau ne gagne pas, que Rodez ne gagne pas, qu'Annecy ne gagne pas, etc. Mais voilà, maintenant, les stéphanois, ils ont fait le maximum pour eux. Eux, ils ont plus rien à faire. Les Verts, maintenant, ils doivent attendre de voir ce que les autres vont faire. En tout cas, les amis, n'hésitez pas toujours à lâcher vraiment votre like. C'est super important pour soutenir le live, vous le savez, vraiment, c'est vraiment ultra important et c'est gratuit les amis. Franchement, n'hésitez pas, vous êtes 60 à être présents, merci à ceux qui sont là et vraiment je veux un max de likes comme d'habitude pour aller atteindre voilà les 50 likes dans pas longtemps. Merci à tous ceux qui like, franchement ça fait plaisir, une journée quand même, une grosse journée aujourd'hui, donc merci à tous ceux qui le feront pour soutenir la chaîne. Grosse journée en plus, c'est vrai que moi aujourd'hui j'ai même pas fait mes devoirs, je devrais les faire demain et tout, donc franchement c'était le mec qui se plaint pour avoir des likes, mais en même temps c'est un peu vrai, en même temps les gars c'est un peu vrai, je vais pas vous mentir, franchement ça va être chaud, donc merci en tout cas de ceux qui like, etc, ça fait plaisir, mais j'arrête de vous saouler avec ça. Le multiplex va commencer dans quelques minutes, dans 5 minutes très exactement. On est chaud, est-ce que vous êtes chaud les amis, est-ce que vous êtes chaud, j'attends bien sûr vos flammes dans le chat, hein. Enfin vous faites comme vous voulez, hein, mais si vous voulez mettre un max de flammes dans le chat vous pouvez bien sûr les amis, n'hésitez pas. En tout cas multiplex Ligue 2 c'est bientôt parti, on va juste faire le tour de chaque match si vous voulez rapidement. Alors attendez,
Hop. Hop. Ouais, je regardais un truc, ok. Voilà, c'est le multiplex qui commence dans 4 minutes. T'es pour qui? Allez, Niort, nommé Hugo. Moi, je suis neutre, les gars. Moi, je suis neutre ce soir. Tu as mis quel stade? Derrière, c'est le stade de Lille que j'ai mis. Aucun rapport, mais justement, à chaque fois, je fais ça. À chaque fois, quand on commente un match de Ligue 2, je mets un stade de Ligue 1. Comme ça, il n'y a aucun rapport. Mais en fait, le problème, c'est que je peux pas faire changer de stade. Je peux pas faire changer de stade parce que. Parce qu'il y a quand même 8 stades et je pourrais pas le faire. Peut-être que dans les prochains jours, je le ferai ça. Mais par contre, ouais, pour les multiplex où il y a seulement 4 matchs, je change de stade derrière moi. Mais des fois, c'est un peu trop compliqué. Hop là, donc du coup, les matchs qui vont bientôt commencer. Hein, on rappelle les matchs, hein, Annecy-Quevilly qui va se jouer du coup au stade de, au parc des sports de Annecy, arbitré par monsieur Angoula, entre Caen et Amiens. Hein, donc ce match va se jouer au stade Michel d'Ornano, arbitré par monsieur Petit, entre Dijon et Sochaux. Le match sera arbitré par monsieur Landry au stade Gaston Gérard, entre Grenoble et le Paris FC. C'est monsieur Kiradji, l'arbitre match du coup, au stade des Alpes. Entre Laval et le Pau, c'est monsieur Palnay, l'arbitre donc au stade Francis Le Blassé. Entre Nîmes et Bastia, monsieur l'arbitre sera donc monsieur Paradis au stade des Costières, toujours à Nîmes. Entre Niort et Le Havre, donc au stade René Gaillard, le match sera arbitré par monsieur Perroniel. Et enfin, entre Rodez et Valenciennes, le match sera arbitré par monsieur le Sage. Monsieur Le Sage arbitre de ce match au stade Paul Lignon. Voilà, du coup, les amis, pour tous les arbitres et tous les stades. Hein. En plus, je vais les prononcer souvent, les stades, donc il va falloir les connaître, hein, les gars, ce soir. En tout cas, je voulais aussi dire un autre truc. Mais putain, à chaque fois, je veux dire des trucs et j'oublie toujours ce que je veux dire. Bref, Yo, allez, le hack cette année, c'est la Ligue 1, nommé monsieur Bonbon, salut à toi. Un prono pour OCRN demain, je pars en déplacement là-bas, je pourrais pas suivre les directs. Chat, OCRN, rapidement. Vas-y, je parie un petit. Je crois que ce sera 2-1, genre 2-1 pour Rennes, tu vois. Jordan, t'inquiète, tu vois. Alors attendez, de base, je devais aller voir Niort le hack, mais c'était plein, j'ai le seum de mes Jordan. Ah, c'est plein, Niort le hack. Salut Natas Nauti. Et pour qui je suis neutre, moi du coup, voilà, aujourd'hui tu supportes quelle équipe? Donc voilà, les gars, je vous ai répondu. Alors quoi, on a Bramska qui nous met un max de flammes, les amis, un maximum de flammes dans le chat pour montrer que vous êtes chaud dans ce multiplex Ligue 2. En tout cas, moi perso, je suis très chaud. Tac, alors juste minuterie, hop, hop. Je règle un truc du coup parce qu'il y a des trucs que j'ai oublié de régler. Tac, ok, c'est bon. Ok, donc ça normalement du coup c'est bon. Hop. Ok, c'est bon. Allez, ça y est les amis, le multiplex commence dans 2 minutes. Vive que vive le mec Bergui. Allez, le hack, nous met Michael. MDR, monsieur Paradis, j'espère qu'il va nous porter au paradis. Je pense que c'est ce que tu voulais mettre, Mohamed. Déjà, Bordeaux a perdu, donc faut que le hack gagne les 3 points. Nous met monsieur Beaumont. Les gars, des fois, au niveau des orthographes, vous faites vraiment pas d'effort. Désolé, mais il faut que ça sorte là. Non, en vrai, peut-être qu'il y a des correcteurs. Je vous pardonne. En tout cas, ça y est, les multiplex qui vont commencer. Mais voilà, hein, l'enjeu, c'est pour tous ceux qui veulent, enfin, toutes les équipes qui jouent le maintien. Hein, il faut gagner parce que Saint-Etienne a gagné. Enfin, même si bon, c'est trop tôt hein, pour le dire. Mais en tout cas, toutes les équipes qui sont pour le moment dans le bas de tableau. Il faut gagner hein, puisque Saint-Etienne qui était dans le bas de tableau a gagné. Et pour toutes les équipes qui veulent dépasser Bordeaux, que ce soit Amiens, Sochaux, Le Havre, Caen, Valenciennes, Metz ou même Dijon, il faut s'imposer là pour essayer et espérer prendre la première place. Mettez-moi les amis dans le chat pour vous quelle est l'équipe qui va être premier à la fin de cette journée. Je vais vous mettre un petit sondage dans le chat pour vous qui sera premier à la fin de ce multiplex. Pour vous qui êtes premier à la fin de ce multiplex, alors que le multiplex commence dans pas longtemps, on va pas tarder à commenter du coup les matchs. Pour vous qui va être premier à la fin de ce multiplex, est-ce que pour vous c'est Amiens? Bon, on va enlever Bordeaux parce que ça m'étonnerait quand même. Est-ce que pour vous c'est Amiens qui va être premier? Est-ce que pour vous ce sera Sochaux? Ou alors est-ce que ce sera Le Havre par exemple? Ou bien une autre équipe? Mettez-moi tout ça du coup dans le chat. Si jamais c'est une autre équipe, vous me le dites dans le chat hein, bien sûr les amis. Alors que c'est parti à l'instant, ça y est, le multiplex qui vient de commencer à l'instant les amis. Sur la pelouse de Annecy, c'est parti à Caen, c'est parti à Dijon, c'est parti à Grenoble, c'est parti à Laval, c'est parti à Niort et à Rodez. Et on est déjà sur la pelouse du stade Malherbe de Caen les amis, avec une première intervention. On va commenter donc ces matchs. Excellent match à vous tous. Le like les amis, n'oubliez pas le like, le soutien, n'oubliez pas, c'est
gratuit, l'abonnement c'est pareil. Merci à tous ceux qui le font. Et nous on est là pour vivre, on est parti du coup pour vivre un multiplex de folie avec des buts. On l'espère, dans quelle pelouse est-ce qu'il y aura le premier but? C'est ça la vraie question, hein, les amis. Pour le moment, il y a toujours 0-0 de partout, alors qu'on aura déjà une intervention entre Caen et Amiens avec un Canet à terre. On va se passer sur la pelouse des Dijonais, le DFCO qui reçoit les Sochaliens dans un match pour le podium, hein, bien sûr pour le podium dans la fin de cette journée, et même pour les Sochaliens espérer la première place puisque Bardot a perdu tout à l'heure. Une minute que l'on joue pour le moment sur la pelouse du stade de Dijon. Attendez, j'ai un trou de mémoire là. Du stade Gaston-Gérard, bien sûr, de Dijon. Toujours 0-0 pour le moment, les amis. Merci beaucoup en tout cas pour les 52 likes, puisqu'on va dépasser les 50 likes. Bonne chance et bon match à vous tous. Bon match, les amis. Bon match à tous les clubs qui jouent aujourd'hui. Que les meilleurs gagnent. Espérons qu'on ait le plus de buts possible. Alors qu'on a Matro qui nous met à l'énime dans le chat. Allez, Sochaux. À nous la première place. Nous met Guillaume. De toute façon, le prochain match à domicile sera contre Guingamp. Nous met Jordan. Donc en parlant de New York, si j'ai bien compris. Attention, c'est parti avec un ballon dans les pieds des Sochaliens. Alors que oui, effectivement, le PSG a bien gagné 1-0 face à Brest, qu'on n'a pas pu vivre tout à l'heure. Ballon écarté de la côté gauche pour les Sochaliens. Pourquoi pas, il y aura peut-être une première occasion à jouer pour Sochaux. Sochaux qui va pouvoir monter ce ballon. Le centre Sochalien, la tête, et ça va passer juste au-dessus des buts du gardien Baptiste René au stade Gaston Gérard. Il y aura une sortie de but à jouer pour les Dijonais. Et pour le moment, toujours 0-0 sur toutes les pelouses. Et merci beaucoup à Maxime Monemark qui rejoint la scène. Bienvenue dans la team joueur espoir. Merci beaucoup, Maxime, qui devient sub à la chaîne. Merci beaucoup, des gros GG à Maxime dans le chat. Je veux des GG pour Maxime dans le chat. Maxime Monemar, j'espère que je prononce mal, je prononce bien, excuse-moi. Non, j'espère que je prononce pas mal et que je prononce bien, Maxime. En tout cas, ça fait plaisir. Merci beaucoup, Maxime, pour ton soutien. Des GG dans le chat, les amis, pour Maxime. Merci beaucoup, Maxime. Hop. Merci beaucoup, Maxime. Hop. Merci, ça fait plaisir. Allez, du coup, on va peut-être passer sur une autre pelouse, et notamment sur la pelouse de Grenoble. Grenoble face au Paris FC. J'aime bien cette intensité, les amis. J'aime bien cette intensité multiplex, un peu là, quand on a 12, quand on a plein de trucs à dire. On ne s'ennuie jamais. Jamais, jamais il y aura plus de 2 minutes de blanc. Hein. Jamais il y aura plus de 1 minute de blanc sans rien dire. On aura toujours quelque chose à dire, et c'est ça que j'aime bien dans les multiplex. Et c'est parti, donc, avec un ballon dans les pieds, là, peut-être, des Grenoble, là, face au Paris FC. Donc, on est sur la pelouse de Grenoble. 3 minutes que l'on joue pour le moment à peu près sur toutes les pelouses. Donc, c'est parti de partout. Il n'y a pas eu de retard, hein, comme c'était le cas. Il y a une semaine, il y a eu un petit retard, hein, sur la pelouse de Bastia, parce que l'arbitre avait la tunique de l'arbitre était de la même couleur qu'un des deux clubs, ce qui fait que ça a eu un petit retard. Là, c'est bon, tout est parti en même temps. Rappelle que Saint-Etienne a gagné 2-0 cet après-midi face à Bordeaux. Metz-Guingamp, c'est lundi, hein, que ce match va se jouer, hein. C'est donc normal qu'il n'y ait pas de score, hein, sinon vous avez tous les scores. Alors qu'on va se passer sur la pelouse du Niort face au HAC. Le HAC aussi, hein, qui est une équipe qui veut jouer la première place, hein, ce soir. Hein, eux aussi, hein, ils font partie, ces équipes-là, qui veulent profiter de la défaite de Bordeaux pour prendre la première place, et il faut gagner face à Niort, là, pour les Havrais, avec un beau ballon là côté gauche, peut-être pour les Niortais. Les Havrais qui jouent dans un dégradé un peu en or et blanc, alors que les Niortais vont jouer en bleu, bien sûr. Le classement, je vais rafraîchir le classement exactement. Je vais actualiser le classement, les gars. C'est bon. C'est bon, le classement il est bien réactualisé. Attention, avec une touche à jouer là pour les Niortais. Allez, touche à jouer pour les Niortais, je vérifie, mais pour moi toujours 0-0 de partout. Voilà, parce qu'il faudra, voilà, dans tous les cas, on va louper aucun but, hein, bien sûr, les amis. Toujours 0-0 de partout pour moi, avec un ballon dans les pieds des Niortais. Les Niortais qui vont pouvoir écarter côté gauche là, pourquoi pas. Alors je vois des Alénimes, etc. On a Marie qui met un déflame dans le chat. Allez, le hack, nommé Monsieur Bonbon. C'est quoi ton ressenti que Paris a gagné et que tu es content? En vrai, ouais, je suis content pour le PSG, je suis surtout content pour Donnarumma, parce que Donnarumma, il se remet en confiance en arrêtant un pénalty. Donnarumma, en ce moment, je pense qu'il est en confiance, en vrai. Après, bon, bah, ouais, j'ai pas, sinon, je suis content pour eux. Et tant mieux pour le PSG, franchement, à l'approche du match face à Maccabi Haïfa, en plus, hein, puisqu'ils ont joué face à la Juve, et après, là, ils ont joué face à Brest, ils vont rejouer face au Maccabi Haïfa. Mais on est en Ligue 2, on va rester en Ligue 2, les amis, on va se passer sur la pelouse de Nîmes au Costières. Nîmes face à Bastia, 3 minutes que l'on joue entre les Nîmois et les Bastiais, pour le moment, toujours 0-0. Ballon qui a été écarté de la côté gauche pour les Bastiais, et finalement, sera récupéré là par les Nîmois, avec le beau retour de la part du numéro 4 Nîmois, le défenseur central. Il a à peu près la même dégaine que Maguire, j'ai l'impression, un peu. Espérons qu'il ait le même talent. En tout cas, il y aura une sortie but à jouer là pour les crocos face au Bastia. Tu es pour qui? Salut Grèche, je suis neutre, moi, les amis, aujourd'hui, entièrement neutre. Alors bien sûr, j'ai oublié de prendre en photo mes pronostics. J'aurais dû les prendre en photo, mais c'est pas grave. J'ai fait mes différents pronostics au listi prono. J'aimerais bien que les pronos que j'ai fait au listi prono aboutissent, tu vois. J'aimerais bien avoir des bons pronos, mais après, bon bah voilà, on verra. Avant tout, j'aimerais avoir des buts. Avant tout, j'aimerais avoir des buts. Merci encore à Maxime qui est devenu sub, ça fait plaisir. Vous aussi à Sochaux, il y a eu un mini tremblement de terre, mais t'as cause quoi? Carrément, non, c'est...
Juste, attention avec un ballon dans les pieds là des Bastia, la frappe Bastia, ils ont le bel arrêt de la part du gardien Nîmois. Quelle occasion déjà là pour les Bastia face à Nîmes. Ouh, attention parce que là les Nîmois ont quand même tremblé là, ils ont perdu un ballon bas dans leur défense. Il y a un Bastia qui s'est saisi du ballon, qui a écarté côté droit, qui a provoqué en un contre un le gardien Nîmois. On en reste à 0-0 entre Nîmes et Bastia, mais quand même une belle occasion pour les Bastia. On en reste à 0-0. Costières Laval face à Pau. En tout cas, bon, moi j'habite pas à Sochaux, mais il y a vraiment un tremblement de terre à Sochaux. Ou alors c'est juste que tu as reçu une notification, du coup tu as mis ton téléphone en mode vibreur et c'est tout. Mais bon, après moi j'en sais rien parce que j'habite pas à Sochaux. Ah, s'il y a eu un séisme entre la Suisse et... Ah carrément, un mini séisme ou genre un... Ok, donc en fait je me... j'ai blagué mais en fait, alors qu'en fait t'as raison, Tacos. Ok, excusez-moi. Donc ok, il y a eu un mini... ok. Bon, j'espère que ça, vous allez tous très bien. Alors allez, le dégagement. Le dégagement là pour le gardien Lavallois. À noter le retour des supporters des Nîmois avec un seul condition sans... Avec une seule condition, sans banderole et sans tambour. Pourquoi, c'est quoi cette condition? C'est quoi cette condition? Allez, ballon récupéré là par les Palois entre Pau et Laval. Pau Laval toujours 0-0. On va se déplacer sur la pelouse de Rodez face à Valenciennes. Rodez-Valenciennes là aussi 0-0. Pour moi, pas de but dans ce multiplex. 7 minutes que l'on joue sur toutes les pelouses. 0-0 de partout. Et merci beaucoup à Kevin du 79, supporter parisien qui doit être heureux de la victoire brestoise, qui rejoint la chaîne comme Maxime. Donc, joueur espoir. Merci beaucoup, Kevin. Après Maxime, c'est Kevin, les amis. Un maximum de GG pour Kevin dans le chat. Merci beaucoup, Kevin, pour ton soutien. Et merci, les amis, à tous pour votre soutien là. C'est incroyable. Merci beaucoup pour votre soutien, donc merci Maxime et merci Kevin, hop, mince. Merci beaucoup Kevin du 76, du 79 d'ailleurs, merci beaucoup Kevin du 79, bienvenue à toi et bonsoir à toi, Licité le boss, continue comme ça frérot. Merci beaucoup Maxime pour ton message et merci les amis pour votre soutien, un max de likes les gars pour les 100 likes, hein. n'oubliez pas, je vous le rappelle parce que des fois on a tendance à oublier, des fois après on arrive sur un live, tout de suite YouTube il nous ouvre le chat et ils nous mettent le live, du coup on peut oublier le like, donc les gars n'oubliez pas le like, c'est important, vérifiez si vous avez bien liké, prenez 2-3 secondes, hop, vous enlevez le chat. Paf, vous lâchez votre lac, c'est bon, c'est terminé. Et sachez vraiment que ça soutient, en fait, je le répète, parce que c'est énorme, en fait, les amis. Voilà, merci à tous ceux qui le feront. Alors que là, il y aura un ballon dans les pieds de Rodez. Pour le moment, Rodez face à Valenciennes. Rodez qui va pouvoir écarter la côté gauche, toujours 0-0 de partout. Pour le moment, c'est pas réellement enflammé dans ce multiplex, puisqu'on a eu aucun but. En tout cas, merci beaucoup, Maxime et Kevin encore. Ballon écarté la côté gauche pour Rodez qui va pouvoir partir en contre, peut-être, alors que on a fait le tour de toutes les pelouses. Il y a 0-0 partout pour le moment entre Annecy et Quevilly. Entre Caen et Amiens, 0-0 aussi entre Dijon et Sochaux. 0-0 entre Grenoble et Paris FC. La Valpo, Nîmes Bastia, 0-0 aussi sur la pelouse de Niort et de Rodez. Pareil, je suis fan du PSG et du FC, nous met Greg. Dis-moi, les joueurs de Brest, ils sont comment en ce moment? Ils doivent pas être très contents, je pense. Salut Maxence qui nous met à l'énime. J'en sais rien, franchement, aujourd'hui. Allez, bah, on va aller payer des Sochaliens là. Dijon face à Sochaux. D'ailleurs, les amis, je vous ai pas demandé parce qu'à chaque fois, je vous nous demande dans un multiplex, c'est laquelle, quelle est la rencontre pour vous qui est vraiment la plus grosse rencontre ce soir? Quelle est la rencontre dans ce multiplex qui est la plus grosse rencontre dans le multiplex, hein, pas dans la journée. Parce que dans la journée, je pense qu'on sait, hein, c'était Saint-Etienne-Bordeaux. Saint-Etienne-Bordeaux, c'était la plus grosse rencontre de la journée. Mais dans ce multiplex, pour vous, c'est quel est le match je sais pas comment dire après, parce qu'on a peut-être pas tous la même définition de grande rencontre. Mais quelle est la plus grande rencontre pour vous? Bien sûr, essayez d'être objectif, dites pas forcément votre club. Ou alors peut-être qu'il y en a deux différentes. Mais voilà, je pense que Dijon-Sochaux, c'est pas mal. Quand Amiens, c'est pas mal aussi. Hein. Mais il y a quand même des gros matchs aussi, hein, franchement, les amis, là dans ce multiplex. Franchement, je pense qu'on peut avoir du spectacle les débuts. Alors que là, il y aura un Sochalien Inter. Il y aura un Sochalien Inter. Comme je te dis, nous étions. Ok, d'accord, Mohamed. Caen Amiens, ouais, il y a que des Caen Amiens. Dijon Sochaux pour Bouboud. Caen Amiens et Dijon Sochaux le mettent à côte. Ouais, voilà, on est à peu près du même avis, je pense. Hein. Niort Le Havre, c'est pas mal. C'est vrai que Niort Le Havre, c'est pas mal aussi. Après, Niort, ils sont plutôt 16e, tu vois. Mais c'est vrai qu'il y a deux enjeux. Il y a l'enjeu du maintien et l'enjeu du podium. D'ailleurs, les amis, je vais directement vous montrer leur clan. On va se passer sur la pelouse du stade Malherbe de Caen au stade Michel Dornano. Pour le moment, toujours 0-0 entre Caen et Amiens. Alors, Caen Amiens, les amis, au stade Michel Dornano, toujours 0-0. Et je vais en profiter pour vous montrer le classement, les amis, le classement. Pourquoi est-ce que je vais vous montrer le classement? Parce que vous voyez que déjà, que avec des matchs nuls, Saint-Etienne, ils redescendent. Ah bah voilà, justement, il suffisait que je dise ça pour que finalement. Attendez, je vous réactualise le classement, les gars. Je vous réactualise le classement. Voilà, tac. Voilà, en fait, c'est ça que je voulais vous montrer. Regardez, avec que des matchs nuls, Saint-Etienne, ils passent déjà 17ème alors qu'ils étaient 12ème. Et si jamais il y a que des matchs nuls, Saint-Etienne, ils repassent déjà 17ème. C'est pour ça qu'il faut vraiment attendre que ça se joue avant de voir les opérations un petit peu, hein, pour les Verts. Parce que certes, hier, tout à l'heure, ils étaient passés de la 19ème, je crois.
19ème place à la 12ème place. Mais là, ça redescend déjà, même si bon, il va sûrement avoir soit Niort, soit Queville, soit Laval, soit le Paris FC, soit Nîmes, soit Annecy, enfin, soit juste ces équipes-là qui vont perdre. Je pense qu'il y aura au moins une équipe qui vont perdre. Ils vont peut-être être 16ème, 15ème à la fin, les Stéphanois. Mais pour le moment, en tout cas, ça donne ça au niveau du classement. C'est quand même assez, assez intéressant. Attention avec le ballon pour le moment dans les pieds des Calais, là, toujours Caen contre. Amiens, il y a toujours 0-0 hein, les amis, je le rappelle, et je crois qu'il y a déjà eu un changement entre Caen et Amiens, je vais regarder ça pour vous dire tout ça. Ouais, il y a Obiang qui est rentré, Abdi qui est sorti sur blessure du côté Canet, quand même important de le préciser. Le multi-league 2 ne s'emballe pas toujours, 0-0 de Mécantin, ouais toujours 0-0 hein, 11 minutes, ça c'est vraiment un multiplex qui commence tranquillement les gars, franchement. Merci beaucoup Maxime. Merci Maxime pour ton message encore, vraiment ça fait plaisir vraiment. Et Niortais pour un début de saison pitoyable, faut qu'il réagisse le mec Kevin. Pitoyable carrément. Après voilà, Niort c'est 8 points, 8 matchs. Ça reste correct en vrai. Alors qu'on va se déplacer là sur la pelouse de Dijon. Dijon face à Sochaux. Toujours 0-0 également. De toute façon, il y a 0-0 de partout pour le moment, 11 minutes. Allez Niort du coup, le Meigo toujours. Ça va se décanter en deuxième mi-temps. Oh j'espère pas quand même. Hein. J'espère que ce sera avant les gars. J'espère que ce sera avant. Attention avec les ballons dans les pieds pour le moment des Sochaliens là qui font tourner. Ce sera écarté peut-être à droite. Les Dijonais là qui font un petit pressing, même si pour le moment c'est Sochaux qui a le ballon. Il n'y a toujours aucun but sur toutes les pelouses. Merci beaucoup pour les 61 likes. Les amis, on peut aller chercher le plus rapidement possible les 100 likes. Franchement, je compte sur vous les gars. Vous le savez, je compte sur vous les amis. Attention avec ce ballon là dans les pieds des Dijonais, là côté gauche. C'est Dijonais qui vont pouvoir partir en contre là, peut-être face aux Sochaliens. Un match très important entre Dijon et Sochaux. En plus, j'ai pas encore mangé. Ah oui, c'est vrai que je commence à avoir faim. Je me suis dit, attends, je viens d'avoir le ventre qui gargouille. Je me suis dit, attends, j'ai mangé ou j'ai pas mangé? Mais oui, j'ai pas encore mangé, c'est vrai. Mais du coup, je devrais me retenir jusqu'à 23h. Attention avec le ballon dans les pieds là des Sochaliens. Pourra pas la côté droit, ce sera récupéré par les Dijonais. Les Dijonais qui vont pouvoir peut-être partir en contre. Toujours 0-0 aussi sur la pelouse. Du stade Gaston Gérard de Dijon, voilà, c'est bien ça. C'est qui domine entre Dijon et Sochaux. En vrai, les amis, pour le moment, je peux vous le dire parce qu'on est resté assez longtemps sur la pelouse de Dijon. Je pense que c'est très légèrement sochalien la domination. Mais vraiment, les gars, les questions du type qui domine, etc. Je suis désolé, mais je pourrais pas y répondre parce qu'il y a 8 matchs à vivre, 8 matchs où je commente. Et peut-être que sur une mi-temps, donc sur 45 minutes, j'en sais rien, peut-être que sur Grenoble-Paris FC, on aura vu que 2 minutes, 3 minutes du match. Donc, tu vois, je peux pas trop donner mon avis là-dessus, tu vois. Mais pour le moment, je peux te répondre parce que c'est vrai qu'on l'a beaucoup vu. Dijon-Sochaux, ils nous l'ont beaucoup passé à l'écran. Mais sachez que les prochaines fois, peut-être que je pourrais pas trop vous donner mon avis à propos de ce genre de questions là quoi. Exactement Mohamed, jusqu'à 23h là je vais être assez genre. Tu feras Metz Guingamp, je sais pas encore GX en plus ce sera mon anniversaire les gars lundi, mais bon je pense pas en vrai, je verrai ce que je ferai. Salut Gillian Martin, je pense que c'est mieux comme ça, je sais pas, excuse-moi pour la prononciation toujours. Merci Maxime. Allez, il y aura une touche à jouer là côté droit. On est entre Grenoble et le Paris FC. Nous sommes au stade des Alpes entre Grenoble et le Paris FC. Alors qu'on voit une belle occasion tout à l'heure pour les Parisiens qui avait eu lieu. Alors qu'on n'était pas. Ouais, alors qu'on n'était peut-être pas sur la pelouse du stade des Alpes lorsque ça a eu lieu. Mais en tout cas, il y a une belle occasion pour les Parisiens tout à l'heure là qui ont failli ouvrir le score face au Grenoblois. Ouais, le Paris FC qui joue en blanc. Alors que Grenoble joue en bleu, si je me trompe pas. Ouais, c'est ça. Le Paris FC joue en blanc. Grenoble joue en bleu. D'ailleurs, je sais pas, mais peut-être qu'il y a des supporters du Paris FC qui supportent aussi le Paris FG, le Paris SG plutôt, si jamais jeudi, hein, j'ai mis l'unique but qui a entre le PSG et Brest, on a malheureusement pas pu faire live, mais au moins pour me rattraper, j'ai mis le but de Neymar sur Instagram, comme ça si vous le voulez, vous l'avez sur Instagram les amis, n'hésitez pas, et j'ai mis le but de l'après-midi entre Saint-Etienne et Bordeaux, il y a eu deux buts, je vous ai mis le but de Wadji, et d'ailleurs je sais pas pourquoi, il a vraiment bien marché, la vidéo a eu 22 000 vues, je sais pas pourquoi. C'est bizarre des fois Instagram. Allez, il y aura un ballon qui va sortir en touche côté gauche pour les Niortais. Alors pourtant c'était pas un but de fou, enfin c'était un beau but dans la construction, mais c'était pas non plus des retournées acrobatiques. Et pourtant il a plu. Merci beaucoup Maxence. Allez les Croconomaiseux, futur, il y aura une touche à jouer là pour les Niortais côté gauche. Niort face au Havre, toujours 0-0. Et attendez, par contre, vraiment en vrai je crois que je suis trop. Peut-être que je suis trop exigeant avec les joueurs, avec le foot et avec les buts. Mais un quart d'heure en 8 matchs, on a toujours aucun but. Bon voilà, je sais qu'il faut attendre et tout, ok, en vrai voilà, je vais pas, pour le moment je me plains pas, juste je constate, pour le moment c'est pas je me plains, c'est je constate les amis,
un quart d'heure en 8 matchs, ça fait voilà 15 fois 8, flemme de faire le calcul, mais ça fait beaucoup. Il n'y a toujours aucun but, les gars. Donc au bout d'un moment, on aurait peut-être qu'il se pense à se réveiller un peu. Allez, Loïc Noumé, Emma. Après, bon, je dis ça et souvent, dans 2 minutes, vous allez voir qu'il va avoir 4 buts en même temps. Je vais être en PLS pour tout commenter. Je vais me prendre un karma, ça va être 100%, ça va être ça. Attention, lui, on va se déplacer justement sur la pelouse de Dijon. Et ça va commencer peut-être maintenant avec un très très beau coup franc à jouer là pour le DFCO face au Sochali, hein, les amis. La semaine dernière, avec que des buts, Noumé, monsieur Bonbon. Ouais, non, mais souvent, ça démarre un peu mal. Et après, c'est vrai que ça enchaîne. Mais c'est vrai, non, mais là pour le moment, je me plains pas. Hein. Juste, c'est un constat que je fais où il y aurait pu avoir plus de buts au bout d'un quart d'heure. Mais je sais qu'en Ligue 2, les multiplex de 19h le samedi en Ligue 2, souvent ils nous réservent des buts, franchement. Je me fais pas de doute là-dessus. Attention, il y aura un coup franc à jouer là pour les Dijonais. Voilà, caméra de Prime Video, elle floute un petit peu la côté droit. Allez, il y aura un petit coup franc à jouer là peut-être pour les Dijonais. Le coup franc qui est frappé, ce sera contré là par le mur. Ça va revenir côté droit. La reprise de volée Dijonais qui a passé à côté des buts du gardien. Sur Chalien, on n'est pas passé loin d'une ouverture de score Dijonais. On en reste à 1-0 entre le DFCO et le FCSM. Le FC Sochaux Montbéliard, toujours 0-0 sur la pelouse du stade Dijonais, comme sur toutes les autres pelouses, les amis. On va au Cossière, entre Nîmes et Bastia, toujours 0-0 entre Nîmes et les Corses, dans un match avec voilà, deux équipes hein, qui jouent, qui sont plutôt dans la deuxième partie de tableau, les Bastiais 11e, les Nîmois 12e, deux équipes qui sont au coude à coude au classement et qui sont au coude à coude pour le moment au score, hein, mais bon, un peu comme les 16 équipes qui jouent dans ce multiplex. Il y a plus de Sochaliens que de Sochaliens que de Dijonais, mais chronique. En tout cas, c'est vrai que dans le live, j'aimerais bien savoir qui sont les supporters les plus nombreux, mais malheureusement, je peux pas parce qu'il y a quand même 16 clubs, donc je peux pas mettre un sondage pour 16 clubs, tu vois. Mais j'aimerais bien savoir. C'est un derby Dijon Sochaux, non, nommé Monsieur Bonbon. Oula, alors, moi et la géographie, ça fait deux, mais ça fait deux ou un, j'ai même plus l'expression en plus, les gars. Pff. Dijon, c'est à peu près par là. Dijon, je sais où c'est, mais Sochaux, moyen, quoi. En vrai, j'ai pas très bon en géographie, les gars. Oh la honte. Alors, ouais, enfin, c'est un derby, faut le dire vite quand même, hein. Derby, faut le dire vite quand même, les amis. Hein. Ouais, c'est un mini derby quoi. Attention avec le ballon, peut-être en direction justement des Bastia à côté droit. Les Bastia qui vont pouvoir partir en contre, peut-être ballon écarté à côté droit. Le centre Bastia, non, il sera finalement trop long. Il y aura une sortie de but à jouer pour les Nîmois, les amis. Sortie de but à jouer pour les Nîmois. Il y a quand même du monde hein, ici au Cossière pour suivre le match du coup qui oppose les Nîmois aux Bastia. Je me lance le premier but du multiplex à Grenoble à 23ème nommé Bouboud. Bah franchement les amis, je vous l'avais pas demandé et je pensais que j'allais pas avoir le temps de vous demander, mais en vrai j'ai le temps parce qu'au bout de 17 minutes, 18 minutes, il n'y a toujours aucun but. Donc mettez-le moi comme l'ami Bouboud dans le chat pour vous. Pour qui et peut-être quand, je sais pas, mais pour vous, pour qui et quand va. Enfin quand vous n'êtes pas obligé, mais pour vous, quelle est l'équipe qui va inscrire le premier but de ce multiplex? Franchement, allez-y dans le chat, vous pouvez me faire des petits pronos comme ça rapide les gars, n'hésitez pas. Vous pouvez. Attendez, parce que je crois qu'il y a des bannes là. Attendez. Attention, le ballon peut-être dans les pieds là des Canets. On va se déplacer là entre Caen et Amiens, juste en vitesse, parce qu'il y a eu une belle occasion quand même pour les Canets là sur le corner. Il y a eu un petit cafouillage qui a été dégagé finalement sur la ligne par un Canet. Les amis, ballon qui a été dégagé. On va se déplacer peut-être sur une autre pelouse, mais en tout cas, belle occasion pour Malherbe. Et cette fois-ci, il y aura un coup franc à jouer, un corner, mais pour les Amiennois. Le corner qui est frappé là pour les Amiennois. L'occasion d'ouverture du score là peut-être pour Amiens, le centre qui sera joué. Merci beaucoup pour ton nom. Merci beaucoup, Nightrox sur YTB qui fait un don de 2€. Merci beaucoup Nightrox. Des gros GG les amis pour Nightrox dans le chat qui fait un don de 2€ et qui nous met Forza Bastia. Allez Bastia dans le chat. En vrai Nightrox, pour être honnête avec toi, je crois qu'il y a beaucoup de supporters ni moi, donc attention là, tu vas peut-être t'en mettre à dos. Mais merci beaucoup Nightrox pour ton don de 2€. Fier de ses couleurs. Merci beaucoup Nightrox. Des gros GG dans le chat pour Nightrox. Merci Nightrox. Merci beaucoup. Allez, ballon dans les pieds des Canets là toujours. Je vais juste vérifier parce que je crois qu'il y en a. Je crois qu'il y a eu des bannes ou c'est. Attendez, c'est quoi ce délire? Hop. Ok, c'est bon. Allez, bon, toujours dans les pieds des Amiens. Les Amiens là pour relancer. Toujours 0-0 pour moi sur toutes les pelouses. Fier d'être Corse, bonne chance aux deux équipes, bien sûr. Mais Bastia a jamais nommé Nightrox. Et oui, il faut être fier de son club, hein, fier de ses couleurs, bien sûr.
Allez, les Canucks qui ont le ballon là pour le moment. Les Dijonais sont pas faits pour le foot, mais ils sont forts pour la montarde de Dijon. Le Metaco, c'est trop classique les gars. Désolé, mais là, ça j'accepte pas. Salut Tristan. Attention parce que là on est toujours entre Caen et Amiens. On vient d'atteindre les 20 minutes de jeu. Salut Lucas. Toujours 0-0 pour le moment de partout les gars. 0-0 de partout au bout de 21 minutes. En vrai, de vrai, c'est pas fou. Pour le moment, on va se passer sur la pelouse de Rodez. Rodez face à Valenciennes. On n'y est pas allé très souvent, tiens, entre Rodez et Valenciennes. On y est, les amis. Rodez, Valenciennes, 0-0. Toujours, pour le moment, c'est Rodez qui fait tourner. Non. Par contre, là, c'est trop. Oh, la pelouse à Rodez. Eh ben, dis donc. Oh, la pelouse, les amis. Même la pelouse de mon club de foot, elle est mieux, vraiment. Enfin, de mon ancien club de foot, elle est mieux, vraiment. Oh, la pelouse de Rodez. Eh, je suis désolé, je sais pas s'il y a des supporters de Rodez, hein, mais. Waouh, la pelouse de Rodez, elle est... c'est quelque chose quand même. Hein. Allez, ça fait tourner pour le moment là entre Rodez et Valenciennes, toujours 0-0. Je dois partir, désolé, quand sera ton prochain live? Je viens. C'est ce soir du coup, Maxime, de 21h à 23h avec Lille contre Marseille. Sinon, demain, je suis sûr de faire le multiplex de 15h. Je ferai peut-être un autre live, peut-être pas, je verrai. Mais voilà, ce soir, entre Marseille et. Salut, Estanteuil. Ce soir, du coup, entre Marseille et. Entre Marseille et Lille, voilà. Et demain, multiplex Ligue 1, 15h. Et peut-être qu'il y en aura d'autres, peut-être pas, je sais pas encore. Mais voilà, en gros, Maxime. A bientôt, Maxime, et encore merci à toi. Attention, on va se déplacer là sur la pelouse de Caen, parce qu'entre Caen et Amiens, il se passe des choses. Entre Caen et Amiens, c'est un des rares matchs où il se passe des choses dans ce multiplex. Le coup franc qui va être frappé là pour les Canets. Allez, c'est très bien frappé. Et ça va passer au-dessus. Ouais. Ça va passer au-dessus des buts du gardien amiennois, toujours 0-0. Entre Caen et Amiens, là pour le moment, les amis, et une belle occasion là quand même à l'instant pour les Canets. Salut Steve. Hey Steve, j'aime pas répondre à ce genre de questions, Steve. Ah là là, attendez, il y aura un dégagement à jouer pour les Amiens. Steve, je vais donner 130€, je fais comment? En vrai, j'aime pas répondre à ce genre de questions parce que ça fait vraiment le mec qui veut de la thune, quoi. Je vous laisse vous en charger, les gars, dans le chat. Attention avec le ballon qui sera dégagé là pour les Amiénois. On va faire un petit tour des stats. Dans tous les cas, ça va être rapide. 0-0 de partout. Voilà, hop là, c'est terminé. C'est terminé, les gars. C'est terminé le tour des stats. C'est fini. 0-0 sur toutes les pelouses pour le moment. Et ça fait 23 minutes à peu près que l'on joue. Est-ce qu'on s'ennuie? Non, parce qu'il y a quand même des choses à dire. Est-ce qu'on aimerait avoir plus de buts? Oui, mais après on a le temps. En vrai, c'est normal quand même au bout de 23 minutes. Bon, même si 8 matchs, 23 minutes. 0-0, c'est quand même un peu bizarre. Enfin, c'est un peu bizarre, c'est pas bizarre, c'est un peu dommage. On est habitué à qu'il y en ait des buts à ce moment-là. Mais bon, c'est pas grave, ça va arriver. On sait qu'en une minute, il peut en avoir 5 des buts si on veut. Donc, enfin, si ça se trouve, donc en vrai, voilà, il peut tout se passer. Merci beaucoup le Dab Tranché. Allez, Lini, moi, vous allez le faire nommer The Future. Et on est toujours sur la pelouse du DFCO, les amis. Hein. DFCO. FCSM, pour le moment il y aura une touche à jouer. Et je rappelle un truc qui me demande: est-ce que tu peux te déplacer sur cette pelouse? Je suis désolé, mais c'est pas moi qui choisis, parce que je me suis mis le multiplex de Prime devant les yeux et je commente les matchs qui me passent devant les yeux, tout simplement. Donc c'est pas moi qui choisis. Et là on va se déplacer sur la pelouse de Laval. Laval face à Pau. Le centre lavallois qui sera dégagé. Non, le centre de Pau qui sera dégagé sera récupéré par Laval. Laval qui va pouvoir pousser, peut-être Pau qui va pouvoir écarter à droite. Allez, le centre des Palois, ce sera dégagé par les Lavallois. Il y aura du coup un corner à jouer pour Pau, côté droit entre Laval et Pau, les amis. Corner à jouer pour Pau à droite. Ouais, là par contre ça commence à devenir inquiétant, le multiplex de Merhamtin. Inquiétant, je sais pas si c'est le mot, mais c'est vrai que ça commence à devenir préoccupant, quoi. Les attaquants sont fatigués, ils ont trop marqué au multiplex précédent de Mabouboudou. Ouais, c'est peut-être ça. Et bah c'est bien chiant ce multiplex de Samuel. Après ouais, c'est vrai que pour le moment aucun but, les gars, c'est wow, c'est chaud. Aucun but, c'est bizarre, hein, franchement. Aucun but pour le moment, c'est... Voilà, je suis pas le seul. En vrai, ça me rassure parce que j'ai pas trop envie de me plaindre. Parce que là, tout le monde dans le chat, là, vous allez me dire non, mais c'est bon, faut attendre un peu. Donc, j'ai pas envie de me plaindre. Mais on est d'accord, les gars. Au bout de 25 minutes, on a aucun but. C'est pas fou pour le moment, quand même. Et allez, on va peut-être se déplacer sur la pelouse de Grenoble. Là. Allez, Grenoble, Paris FC, un petit but. Du coup, vous voyez qui, les amis, marquait le premier but? Parce que je crois que j'ai pas vu de réponse, je crois, au-dessus. Ah, si, Quevilly, Dijon, Caen.
Le hack, en vrai vous pouvez me le remettre si vous voulez dans le chat hein. Mais effectivement j'ai vu quelques quevilles etc. Mais voilà, vous voyez qui marquait le premier but. En tout cas d'ailleurs au niveau du sondage que je vous ai lancé. Attendez là on va quand même se déplacer sur la pelouse de Grenoble. Parce qu'entre Grenoble et le Paris FC, il y a peut-être une occasion à jouer là pour les Grenoblois. Ouais non en fait ils font tourner derrière hein. Ils font tourner derrière, peut-être hey, Prime ils nous mettent des feintes hein. Même Prime ils nous feintent là. Ils nous déplacent sur une pelouse. Et en fait bah waouh super quoi ça. Le ballon il tourne derrière. Attention avec le ballon à côté gauche. Peut-être voilà pour les Grenoblois se récupérer là par les Parisiens. Les Parisiens qui vont pouvoir partir en contre avec un ballon côté gauche. Il y a peut-être quelque chose à faire là pour le Paris FC. Allez ballon écarté. Mais non non non, ce sera récupéré par Grenoble. Allez Sochaux, allez Annecy, nous met Arnaud. Le hack avec Kitala, nous met Monsieur Bonbon. Ils sont où les Havre, nous met Lucas. Valenciennes pour 1-2-3. Sochaux pour Matteo. Amiens pour le DAP tranché. Non t'inquiète c'est chiant, t'as 8 matchs en cours et 0 but. Voilà on est d'accord les gars. Allez ballon qui va être recapté là par le gardien parisien pour relancer Grenoble Paris FC toujours 0-0. Moi je m'étais amené ça là pour manger parce que sinon après j'allais pas manger. Donc je crois que je vais aller manger en fait hein. J'avais prévu de manger à la mi-temps. Bah, je crois que je vais aller manger maintenant. Attention avec le ballon à côté droit. Peut-être là pour les Parisiens la balle de 1-0. Peut-être alors qu'il y aura un ballon côté gauche. Le centre et le but. Le but les amis entre Dijon et Sochaux. Le premier but de ce multiplex il est pour les Sochaliens. Et ça perd 0. L'ouverture du score de Sochaux à l'instant, la 23ème minute de jeu. Avec un ballon côté droit là pour les jaunes et bleus qui viennent centrer je crois dans la surface de réparation. Un ballon côté droit vers le poteau de corner. Le centre du pied droit sortant sur la tête d'un attaquant Sochalien. Tête croisée qui rebondit avant de faire trembler les filets. 1-0 pour les Sochaliens. Et c'est signé Sissoko. Belle tête de Sissoko dans la surface de réparation des Dijonais. Ça fait donc 1-0 là pour Sochaux. Le premier but de ce multiplex, il est là les amis, il est là. On a attendu longtemps quand même, mais il est pour Sochaux. 26ème minute de jeu, le premier but du multiplex qui a lieu à la 26ème minute de jeu. Pratiquement la demi-heure de jeu, c'est quand même assez rare d'attendre une demi-heure pour avoir le premier but sur 8 matchs les gars. C'est long quand même, mais voilà l'ouverture de score de Sochaux. Et ça, voilà, c'est un but qui va en appeler d'autres j'espère. En tout cas beau centre hein, de la part du numéro 28 de Sochaux. C'est Soumaré qui vient centrer là pour Sissoko. Non c'est Soumaré. C'est Fossurier plutôt qui vient centrer pour Sissoko. La tête de Sissoko croisée. Le gardien Baptiste René est battu. Et il y a un truc qui est aussi très intéressant. C'est que grâce à ce but les Sochaliens passent premier. Grâce à ce but les amis les Sochaliens passent premier. Trop fort Sochaux je vois dans le chat. Et voilà, ça y est, Sochaux, il nous je crois, il y en a plein, il met, j'avais raison, etc. Bravo à tous ceux qui avaient pronostiqué, on va dire, le premier but de ce multiplex pour Sochaux, puisque vous avez eu raison. Ceux qui avaient mis un premier but dans le multiplex pour les Sochaliens, c'était bel et bien ça. Attention, parce qu'il y aura quand même un ballon, pourquoi pas, hop, sur la pelouse de Rodez. Rodez face à Valenciennes, Rodez-Valenciennes, toujours 0-0. Pour le moment, ce sont les Valenciennes voilà, qui ont le ballon. En tout cas, voilà, Sochaux qui ouvre le score. Bordeaux recule 3ème. Et oui, c'est vrai que Bordeaux recule 3ème aussi, hein, parce que Amiens, avec le match nul, passe devant Bordeaux. C'est vrai, c'est vrai. Allez, Grenoble nous met Arnold. Attention avec le ballon écarté là côté droit. Peut-être salut, je suis une claquette. Il y aura peut-être une occasion à jouer là pour les Valenciennes qui sont bloqués un petit peu là. Ils attendent la faille entre Rodez et Valenciennes. Ballon qui sera écarté à gauche. Ce centre là pour Rodez. Non, pour Valenciennes dans la surface de réparation. Et ça fera finalement sortir en sortie de but ou pas. Par contre, ça me perturbe. Ou c'est moi, les gars. Attendez. Parce que là, c'est moi ou toutes les équipes ils jouent avec des couleurs qui ne sont pas les leurs. Là, Valenciennes ils jouent en noir. Va chercher le noir sur le logo de Valenciennes. Il n'y en a pas. Y a qui d'autre comme équipe qui joue pas avec ses couleurs parce que ça me perturbe des fois. Je crois que c'était si Le Havre un peu. Le Havre il joue en blanc et or un peu. C'est vrai que blanc et or il y en a un petit peu sur leur logo. Mais peut-être Valenciennes qui... Après c'est normal parce que Rodez il joue en rouge. Donc faut pas jouer en rouge aussi. Mais ça me perturbe du coup des fois je me rate un peu. Nîmes contre Bastia les amis. Nîmes contre Bastia. Il se passe quelque chose entre les Nîmois et les Bastia, puisque les Nîmois sont réduits à 10. Le carton rouge pour les Nîmois à l'instant. Carton rouge pour les Nîmois à l'instant. Les gars, ne spoilez pas, hein. Ne spoilez pas dans le chat. Je vois que certains ont mis qu'il y avait un carton rouge avant que je le dise. En fait c'est normal que je le dise pas, parce que peut-être que vous avez un peu d'avance sur moi. Donc vraiment les amis, ne spoilez pas dans le chat. Et voilà, carton rouge pour les Nîmois, avec un carton rouge pour Vargas sur une grosse faute de Vargas. Ouais, gros, ouais, carton rouge. Je sais pas si ça mérite un carton rouge. Est-ce que ça mérite vraiment un carton rouge? En vrai, je sais pas. En tout cas, Vargas qui se prend le rouge. Hein. Vargas qui se prend le rouge là pour les Nîmois. Vargas, le piston droit de Nîmes dans le 3-5-2 qui avait aligné monsieur, enfin, Oussaï, le coach Nîmois. Et du coup Vargas qui se prend le carton rouge et les Nîmois sont donc réduits à 10. Ça risque d'être compliqué pour les Nîmois les amis. Et du coup je vais vous le mettre, le carton rouge les gars.
Je vous mets le carton rouge, les amis. Je vous mets le carton rouge pour Nîmes. Allez, on va faire un tour du côté du Stade des Alpes, les amis. Le Stade des Alpes. Oula mince. Le Stade des Alpes, les gars. Alors, Stade des Alpes, du coup, entre Grenoble et Paris FC, toujours 0-0. Je vous ai mis du coup le carton rouge pour Nîmes. Vous l'avez là sur les scores. Le carton rouge pour les Nîmois, parce que les Nîmois viennent d'être réduits à 10. Hein. C'est la première équipe qui se prend un rouge dans ce multiplex. Bon, je dis ça comme s'il allait en avoir d'autres. Espérons qu'il n'y en ait pas d'autres. Hein, mais il se peut qu'il y en ait d'autres. Hein. C'est pas impossible. En tout cas, carton rouge là pour les Nîmois. Allez, c'est reparti dans ce multiplex avec le Stade des Alpes, 0-0 entre Grenoble et le Paris FC. Pour le moment, les amis, salut, je suis une claquette de ton pseudo, content que Nîmes prenne un rouge. Oula, ça va déplaire à certains, ça. Notre premier carton rouge de la saison, auparavant nous avons pas eu de rouge. Ah ouais, Mohamed, je savais pas. Je pensais que ouais, donc c'est le premier carton rouge de la saison pour les Nîmois. Donc ils sont pas habitués à jouer à 10. Ça va être compliqué, je pense, pour les Nîmois, hein, les amis, je pense. Attention, peu importe l'équipe qui se prend un rouge, c'est toujours compliqué, hein. Mais en plus, si tu me dis que c'est leur premier rouge, c'est pas comme s'ils étaient expérimentés comme Saint-Etienne par exemple. Attention avec le ballon écarté côté gauche là, peut-être pour les Parisiens, entre Grenoble et Paris FC, parce que Saint-Etienne c'est quand même 6 cartons rouges en 7 matchs. Ils s'en ont pas pris cet après-midi, mais c'est quand même 6 cartons rouges en 7 matchs. Allez, attention, le ballon tourne dans les pieds là des Parisiens à droite, les Parisiens qui font tourner. Merci à tous d'être présents sur le multiplex. Franchement, les gars, je compte sur vous, hein, pour lâcher votre plus gros like, les amis. Vous êtes bientôt 100 à avoir liké. Je compte sur vous, êtes 188 à être présents. Vous savez que le like c'est gratuit. Il suffit d'appuyer sur le petit pouce en l'air et c'est gratuit, tout simplement. Vous avez juste à faire ça. Ça prend quelques secondes et franchement, je vous remercie pour votre soutien. On est en route vers les 100 likes, les gars. On fuse vers les 100 likes. Merci à vous tous. Ça fait vraiment plaisir. On va faire un petit tour des stades rapidement parce qu'on a déjà un peu plus de choses à dire que tout à l'heure. D'abord sur la pelouse de Annecy, c'est rien passé. 0-0. À noter quand même un carton rouge pour Queville, pour Annecy et deux cartons. Non, un carton jaune. Pour Annecy et deux cartons jaunes pour Queville, j'ai arrivé 0-0. 32e minute de jeu entre Caen et Amiens au stade Michel Dornano. Rien à noter à part deux changements déjà quand même pour les Canets. Abdi et Daubin sont sortis. Domingay, Obiang sont rentrés. Alors Abdi c'est sur blessure, Daubin je sais pas, mais j'imagine que c'est sur blessure également. Tandis qu'entre Dijon et Sochaux, il y a 1-0. Carton jaune du côté de Sochaux et un but de Sissoko servi par Fosserier pour le seul but du multiplex pour le moment. Grenoble Paris FC 0-0. Sort entrée de Cadier à la place de Hamel du côté du Paris FC. Laval face à Pau 0-0 entre Laval et Pau. Il y a eu un carton jaune pour Pau, un changement du côté de Pau avec Kofi qui est sorti, Mozango qui est sorti. Il y a beaucoup de changements en première mi-temps, c'est quoi ce délire? Il n'y a pas beaucoup de buts, mais il y a plein de changements par contre. Nîmes Bastia 0-0, rien à signaler à part le carton rouge, hein, bien sûr, de Vargas, j'ai failli l'oublier. Pour les Nîmois réduits à 10 entre Niort et Le Havre 0-0. Carton jaune pour Vallier du côté de Niortais. On est aussi à la 33e minute de jeu et entre Rodez et Valenciennes 0-0. Et là, il n'y a ni carton ni changement dans ce match. Allez, on va se déplacer justement sur la pelouse de Annecy. Annecy face à Queville-Rouen. On est à Annecy dans un stade qui est bien rempli, hein, entre Annecy et Queville. En tout cas, il y a touche qui va être jouée là pour Annecy côté gauche. Allez, cette touche qui est jouée, ce sera sur la tête des joueurs de Queville, Rouen. Et du coup, là, c'est qui joue en jaune? C'est Annecy ou Queville? Parce qu'il y a un rouge un peu mat. Non, je pense que c'est Annecy qui joue en rouge, un peu le rouge de Metz en fait. Pourquoi ils jouent en rouge un peu comme si c'était le rouge de Metz là, alors que leur logo, c'est rouge la couleur de Annecy, c'est pas Grenat quoi. Oh, c'est bizarre. Vraiment, je vous jure, les couleurs en Ligue 2, alors peut-être que c'est parce que j'ai pas l'habitude de suivre la Ligue 2, mais... Rapitune. J'espère que Laval vont gagner, mais Brandon, salut Brandon. Pas beaucoup de buts, bah effectivement pas beaucoup de buts pour le moment, Hugo, il n'y en a qu'un seul. Attention qu'il va dans les pieds des Sochaliens, là, Dijon, Sochaux, on va quand même se déplacer sur la seule pelouse où il y a eu des buts pour le moment, les amis. C'est sur la pelouse de Dijon, avec un ballon écarté à droite. Et merci pour les 92 likes, on y est bientôt 100 likes, les gars, on y est bientôt. Attention, ballon en direction, là, pour un pas du numéro 10, Sochalien sera récupéré par les Dijonais. Allez, le hack nous met Monsieur Bonbon, allez, Sochaux nous met Zuccoli. Alors qu'on a Estanté qui nous parle de son club, bien sûr, le PSG et de Saint-Etienne qui ont tous les deux gagné. Un début de week-end parfait là pour Estanté, hein, je pense. Attention avec le ballon dans les pieds là des Dijonais qui ont parti en contre. Les Sochaliens un petit peu débordés, mais finalement ils vont quand même réussir à remettre le pied sur le ballon là pour le moment. Et Sochaux qui va pouvoir partir en contre là à leur tour. Attention, et ouais, il y aura peut-être quelque chose à jouer là avec le ballon en direction du buteur Sissoko. Sissoko il est passé. Sissoko dans la surface de réparation qui va s'écrouler en dehors de la surface de réparation. L'arbitre qui va signaler une faute pour les Sochaliens avec un très très beau coup franc à jouer. La même sortie de carton jaune là, l'arbitre entre Dijon et Sochaux. Il y aura du coup un carton jaune pour un Dijonais là sur cette faute sur le buteur Sissoko. Il y aura donc un beau coup franc à jouer là pour les Sochaliens. Et il y aura donc un carton jaune pour un joueur dont je n'ai pas eu le temps de voir l'identité. On va se déplacer sur la pelouse de Niort. Niort face au Havre, puisqu'il y a eu de la casse entre Niort et le Havre.
Bon, y a un joueur du Havre qui reste à terre. On va suivre ce qui se passe entre Niort et le Hack, parce qu'il y a eu un gros contact. En plus, je crois que c'est dans la surface de réparation. Ouais, on a Alioui qui s'est écroulé dans la surface. Oh, il y a eu un contact, hein. Il y a eu un contact là sur Alioui. Alioui, le Havre, il s'est écroulé dans la surface de réparation. Attention, les Niortais là. À tout moment, il y a un pénalty pour le Havre. D'ailleurs, les gars, si je peux me permettre une petite blague, que l'arbitre n'ait pas signalé pénalty dès le début, c'est pas normal. Voilà, donc. Ouais, non, je suis gênant quand je fais ça. Non, en vrai, je pense qu'il y a un petit péno quand même pour les Havrais, mais bon, puisqu'il n'y a pas de VAR en Ligue 2. Bah, il n'y a pas de VAR en Ligue 2, l'arbitre qui va pas pouvoir revenir à la VAR. Mais c'est vrai qu'il y a eu un contact pour moi. Allez, les gars, on va se déplacer là sur la pelouse de Dijon contre Sochaux. Dijon contre Sochaux, il se passe des choses entre Dijon et Sochaux. Oh, et là, c'était un coup franc pour les Sochaliens qui va passer au-dessus des buts. Dijon et Niort contre le Havre. On va se déplacer donc entre le Niort et Havre. Et il y a du coup, il y a un penalty pour les Havrais. Voilà, il y a bel et bien un penalty pour les Havrais. Allez, les gars, vous êtes sympas avec moi, vous rigolez. Et ça me va. Ça est vraiment. En vrai, les amis, vous êtes vraiment sympa avec moi, franchement. Allez, le penalty à jouer là pour les Havrais, il est. Oh non, mais non, mais non. Mais même un penalty, ils le mettent pas. Même un penalty, ils le mettent pas, les amis. On va aller où avec ce multiplex? C'est une purge. On est à la 37ème minute de jeu. Ça y est, là, pour moi, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. 37 minutes que l'on joue. Il y a un seul but et même un penalty, il le met à côté. Sérieux, quoi. Allez, on en reste du coup à 0-0 entre le Havre et les Niortais. Les Niortais qui l'ont échappé belle. Non, les gars, c'est trop là, c'est bon. Il n'y a qu'un but dans ce multiplex. Ça fait 37 minutes que l'on joue. Et même un penalty, le loup, quoi. Ouais, vas-y. Je crois, vous savez qu'on peut, on peut peut-être battre le record du nombre de buts le moins élevé, hein, je crois. Hein. C'est incroyable, hein. C'est incroyable, les gars, c'est trop là. Bon allez, le penalty coup qui est raté pour les Havrais, on reste à 0-0, hein. Et du coup le joueur qui vient de rater ce penalty, je vais quand même vous dire le responsable, alors c'est Kitala, hein. Kitala, il y en a un dans le chat qui m'avait mis que Kitala allait marquer justement. Il l'aurait pu, mais il l'a pas fait. Kitala qui a raté ce penalty. En plus c'est même pas comme si le gardien l'avait arrêté, c'est qu'il a même pas cadré, quoi. Il n'a pas cadré le péno qui était là, donc on reste à 0-0 entre Niort et le Havre, au plus grand bonheur des Niortais. On va se passer sur la pelouse de Dijonais encore. Dijon face à Sochaux, toujours 0-0 sur toutes les pelouses, sauf sur celle de Dijon justement, où Sochaux mène 1-0. Mais c'est un truc de fou, on est bientôt à la 40ème minute de jeu sur toutes les pelouses. Il n'y a qu'un seul but, les gars. Il abuse, lui, nous met Lucas, supporter à vrai. Pourtant, c'est pas Donnarumma en face. Et oui, Max, hein, parce que Donnarumma, il a fait un arrêt incroyable, Max. T'as raison. Kitala, il n'est pas là, nous met Mohamed exactement. Kitala, c'est à cause de lui qu'on n'est pas monté en Ligue 1. Sochaux nous met Tacos. Franchement, vu ma position, je veux pas trop de buts dans la multiplex de mes yeux futurs. Bah, en vrai, c'est vrai, hein, c'est vrai. Il y a certaines personnes où le fait qu'il n'y ait aucun but, ça les arrange. Hein. Par exemple, les Bordelais, ça les arrange un petit peu là ce qui est en train de se passer, franchement. Alors que les Stéphanois, eux, ils aimeraient bien que les Niortais, que Villy, Laval, le Paris FC et peut-être Nîmes perdent, tu vois ce que je veux dire. C'est pour ça qu'il y a certaines équipes, je pense qu'ils doivent être contents. Allez, Ryan, tu sais jouer à côté droit pour Sochaux. Alors que je vous avais demandé, hein, je vous avais demandé pour vous qui sera premier à la fin de ce multiplex. Vous êtes 25% à m'avoir voté Amiens qui sera premier à la fin du multiplex. 36% voit Sochaux premier à la fin du multi. 12% voit Le Havre premier. Et 27% voit une autre équipe premier à la fin du multiplex. Pour le moment, ce sont 36% qui ont raison, les amis. En tout cas, là, il y aura un ballon entre Nîmes et Bastia. La frappe pour les Bastia qui va passer juste à côté. Des buts Nîmes, on voit qu'il y a quand même. Ouais, on voit que les Nîmois, depuis qu'ils sont réduits à 10, ils ont du mal. Les Nîmois, depuis qu'ils sont réduits à 10, ils ne sautent pas. N'est pas Havrais, nous met Monsieur Bonbon. Allez, le hack, nous met Monsieur Bonbon. Ça m'arrange, j'aimerais juste que Sochaux fasse un nul, nous met Ramtim. Habituellement, on a eu des buts. Bah oui, c'est ça le truc. Hein. S'il te plaît, tu peux voir Laval. Je vous le dis, hein, moi j'ai le multiplex de Prime devant les yeux. Et quand ils montreront Laval, je vous commenterai Laval, bien sûr, les amis. Mais c'est pas moi qui décide en gros ce que je commande, quoi, les gars, malheureusement. Là, on est toujours sur la pelouse des Cossières. 37 minutes que l'on joue. 0-0. Enfin, malheureusement. Non, parce que si je devais changer de chaîne à chaque fois que je dois changer de match, on s'en sortirait pas. On s'en sortirait pas. Je pourrais vous commenter qu'un seul but sur deux parce que je les louperais et tout. Donc en vrai, heureusement que c'est la gérie de Prime qui. C'est leur régie plutôt qui gère ça. Et heureusement que c'est pas moi. Parce que déjà, quand il y a deux chaînes différentes pour un multi, je galère. Alors laissez tomber si chaque match était sur une chaîne différente. Attention avec le ballon à côté droit, peut-être pour les Bastiais, sera récupéré par les Nîmois. Bouboud, en vrai Bouboud, je retiens. Je retiens, franchement. Allez, ballon écarté côté droit là, peut-être pour les Bastiais. Les Bastiais qui ont peut-être quelque chose à jouer là. Parce que du coup, avec ces
avec ces matchs un peu nuls là, vraiment je suis désolé mais au bout d'un moment faut mettre. Oh le but. Le but les amis à Valenciennes, le but à Rodez pour les Valenciennois. Le but à Rodez pour les Valenciennois et c'est sur un coup franc que le but valenciennois vient d'être marqué. Second poteau, belle tête pour les Valenciennois et ça fait 1-0. Ouverture du score valenciennoise les amis à la 38ème minute de jeu. Alors l'arbitre a... est-ce que l'arbitre a validé ou non le but? Et oui. Et oui les amis, les Valenciennois qui ouvrent le score la face à Rodez. 1-0 pour Valenciennes face à Rodez là l'instant. Et c'est signé ouais d'ailleurs le buteur il reste à terre hein, c'est sur un coup franc qui est venu de la gauche pour Valenciennes les amis. Coup franc venu de la droite plutôt pour Valenciennes qui est frappé dans la surface de réparation. Il n'y a aucun joueur de Rodez qui arrive à dégager ce ballon. On a l'impression qu'ils regardent tous le ballon, il n'y en a aucun qui le dégage, ce qui fait que ça arrive second poteau jusqu'à le fameux buteur valenciennois. Et je sais pas qui c'est le buteur, j'arrive pas à voir son numéro si je crois que c'est j'arrive pas à voir son numéro. Ah si, je crois que c'est Boitou. Je crois que c'est Boitou Mananga. Moi je pense que ouais, je pense que c'est Mananga qui vient ouvrir le score là pour Valenciennes. Mananga qui s'est pris d'ailleurs un petit coup. Il est resté à terre Mananga. En tout cas ça fait 1-0 pour Valenciennes après l'ouverture du score de Sochaux. C'est Valenciennes qui suit la marche. 1-0 pour les Valenciennois face à Rodez dans ce multiplex alors qu'on est à la 40e minute de jeu. Punaise. En 40 minutes, tu fais 40 x 8, ça fait 320 minutes. Je crois bien. Et on a seulement 2 buts les amis. Parce que je sais pas trop mes tables, c'est pour ça les amis que je bégaye. Mais si c'est ça je crois. Et en 320 minutes, on a juste 2 buts, c'est honteux les amis. Allez Sochaux le met Zuccoli. C'est cruel pour Rodez qui dominait. Je sais pas si... Oh le but qui a été refusé les gars. Quoi? Non, 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 non. Là je refuse. Là je refuse. Non, ils ont refusé le but les amis, attendez. On va revenir sur la pelouse de Rodez et entre Rodez et Valenciennes, ils ont refusé le but. Non mais ils veulent vraiment pas qu'on ait des buts là. Là ils veulent vraiment pas qu'on ait des buts là. Je crois que le but est refusé entre Rodez et Valenciennes. Hein. J'ai pas envie de dire n'importe quoi, mais je crois qu'il est refusé les amis le but. Hein. Pour une position de hors-jeu. But refusé pour une position de hors-jeu. Ouais il est refusé, il y a eu un carton jaune pour Valenciennes. Ouais, non, vas-y, c'est trop. Non mais c'est trop là, les gars ça sert à rien de le faire le live, je crois qu'on va arrêter le live là, ils veulent pas qu'il y ait des buts là. Ah on va quand même se laisser sur la pelouse de Caen et du coup le but de Valenciennes a bel et bien été refusé. On en reste à 0-0 entre Rodez et Valenciennes. Par contre entre Caen et Amiens il y aura un pénalty les amis. Entre Caen et Amiens, pénalty pour les Amiennois au stade Michel Dornano. Les Canets qui ont du mal, il y aura du coup un pénalty à jouer là pour les Amiennois au stade Michel Dornano. Pénalty à jouer là pour Amiens, l'occasion de 1-0 pour les Amiennois ici à Caen. Attention le pénalty qui va être frappé. Non mais il a raté, mais quoi. Désolé les amis, mais là j'ai plus rien à dire là, c'est bon. Je suis désolé, mais là j'ai plus rien à dire les amis, c'est quoi ça? Non, mais c'est trop, on est à la mi-temps, mais... Oh, c'est quoi ça? Eh, vous avez... là je rigole, hein, mais là c'est rire nerveux là. Je vous le jure, premier degré, c'est abusé là ce qui est en train de se passer. On veut pas, c'est pas possible hein. Et vous... C'est pas possible là, c'est pas possible. Mais c'est pas possible, il y a un but pour Valenciennes, il le refuse. Il y a un pénalty pour Le Havre, il le rate. Il y a un pénalty pour Amiens, il le rate. Mais allez-y, déclarez forfait. Et comme ça on n'aura pas de but, on s'en fout. Mais c'est quoi ce délire là? C'est trop. Et on va jamais avoir de but là. C'est quoi ce multiplex? Je comprends rien. Je suis désolé les amis là, vraiment j'ai aucune réaction. Mais ça me désole de voir ça. Non, il l'a pas mis à côté, c'est l'arrêt d'un gardien. Du coup vous m'excusez, j'ai pas décrit le pénalty parce que c'était un peu perturbé, mais c'est le gardien qui l'a arrêté. C'est le gardien qui l'a arrêté, on a déjà des progrès. On a quand même des progrès parce que Le Havre il l'avait mis à côté. Vraiment il l'avait fait exprès. Alors que le Amiennois il a quand même essayé de marquer. Mais il est pas arrivé parce qu'il est mauvais. Mais non, c'est le gardien qui l'a arrêté, bel arrêt quand même de la part du gardien Canet. Mais quand même, c'est abusé là. C'est Arokodari qui l'a raté, bel arrêt de la part de Mandria, le gardien de Caen. Mais pff. Merci beaucoup Ethan pour ton abonnement. Merci à tous ceux qui s'abonnent les gars, on est bientôt 21 100 abonnés, merci beaucoup. Non franchement c'est trop. On a vraiment pas de but les amis, c'est incroyable, mais je vous jure. Hey, je vous jure que dans le club de foot de mon village, là, ils vont. Je sais plus quand est-ce qu'ils vont jouer leur prochain match. Je crois que je vais aller voir leur prochain match. Il va y avoir plus de buts que dans un multiplex de Ligue 2 entier quoi. On est où là?
Ouh, c'est super en tout cas ce multiplex. On est bientôt à la mi-temps, il y a juste un but quoi. Waouh, on s'éclate les gars. Allez, on se déplace sur la pelouse de Annecy. Annecy contre Quevilly-Rouen. Et vous voyez, mais en vrai, c'est dans ces moments-là, les amis, que je me dis. C'est dans ces moments-là que je me dis. Je suis content d'être sur YouTube parce que si je regarde le multiplex, que je me dis, ouais, je vais passer une bonne soirée, je vais voir des buts et tout, et que je tombe devant cette purge, j'aurais le seum. Alors que là, je suis quand même content d'être avec vous, tu vois. On s'entraide dans notre soirée qui s'annonce pas forcément incroyable, les gars. Donc en vrai, c'est pour ça que je suis content d'être sur YouTube là. Allez, ballon côté droit là pour Annecy. Annecy qui va pouvoir peut-être aller ouvrir le score là face à Quevilly. Par contre, s'il y a un seul but en 45 minutes x 8, j'arrête le live là, vraiment, hein, ça sert à rien de continuer là. Hein. Après, j'ai envie de vous dire, on peut que être content la deuxième mi-temps. On pourra que être content la deuxième mi-temps, du coup. Allez, on va quand même se déplacer sur la pelouse de Grenoble. On va reprendre notre sérieux. Grenoble face au Paris FC. Il y aura un coup franc à jouer là quand même pour les Grenoblois côté gauche. Allez, coup franc à jouer là pour les Grenoblois côté gauche. Toujours 0-0 aussi entre Grenoble et Paris FC. Enfin, pourquoi je dis à chaque fois qu'on se déplace sur une pelouse, je dis toujours 0-0. Bah oui, toujours 0-0. Il n'y a pas d'autre but, dans tous les cas, il n'y en aura pas d'autre. Donc en vrai, maintenant, je vais arrêter de dire les scores. Vous saurez qu'il y aura toujours 0-0, peu importe la pelouse sur laquelle on se déplace, à part sur celle de Dijon. Allez, il y aura peut-être un coup franc à jouer là pour les Grenoblois au stade des Alpes là face à Paris FC. On entre dans le temps additionnel, 2 minutes de temps additionnel entre les Grenoblois et les Parisiens. Le coup franc qui va être frappé sera dégagé finalement par les Parisiens. Il y aura du coup une sortie de but à jouer, un corner à jouer là pour Grenoble. Allez, corner à jouer là pour Grenoble. Hop. Hop là. Allez, corner qui est frappé là par Mathias Feto. Ouais, c'est frappé, ce sera finalement dégagé. On va se déplacer entre Annecy et Quevilly, les amis. On va se déplacer entre Annecy et Quevilly. Annecy, Quevilly, Rouen. Annecy, Quevilly, Rouen. Toujours 0-0 aussi. Entre Annecy et Quevilly, Rouen, bien sûr. Il y aura un corner à jouer là pour Annecy alors qu'on est à. Ouais, on est à peu près. 30 secondes de la mi-temps. On est à peu près 30 secondes de la mi-temps, les amis. Et ouais, attention, le coup franc là qui est frappé, le corner qui est frappé là pour Annecy. Ce sera finalement dégagé. Il y aura peut-être un contre à jouer là pour Quevilly. Et non, finalement, ce sera récupéré toujours par Annecy. Hop là. Alors les amis là, juste regarde un petit truc rapidement. En plus, je vous avais dit que j'allais pas vous mettre les buts là du multiplex sur Instagram. Limite j'aurais pu le mettre le premier quoi. Parce qu'il n'y en a pas eu d'autres. Allez, en tout cas voilà, il y a toujours 0-0 entre Annecy et Quevilly-Rouen. L'arbitre qui replace son oreillette. Je croyais qu'il demandait la VAR parce qu'il faisait comme ça. Mais non, c'est vrai qu'il n'y a pas la VAR. Il n'y a pas la VAR en Ligue de Justice. Il replace son oreillette. C'est la mi-temps sur la pelouse de Annecy. C'est la mi-temps sur la pelouse du stade Michel Dornano 0-0. C'est la mi-temps sur la pelouse de Laval. C'est la mi-temps sur la pelouse de Niort. Non, me dites pas qu'on aura un seul but. En une mi-temps, dans le match, non mais c'est un truc de fou. Dans le match de Saint-Etienne, il y a eu en 45 minutes, dans le match de Saint-Etienne-Bordeaux, il y a eu autant de buts qu'en 45 minutes dans 8 matchs. Hein. C'est abusé, c'est miteux, c'est une purge. Vraiment, je suis indulgent. Hein. Pourtant, vous savez que je suis indulgent. Hein. Des fois, il y a des 0-0 et tout. Et pourtant, je dis, ouais, c'est quand même un beau 0-0 et tout. Là, je m'en fous. C'est dégueu ce qu'on est en train de voir. Merci beaucoup, le magicien, pour ton abonnement. Allez, il y aura un dégagement là pour les Dijonais. On est justement sur la seule pelouse où on a les buts. Merci les Dijonais, merci les Sochaliens. Parce que sinon, là, j'aurais pété un câble. En tout cas, on est toujours à 1-0 pour Sochaux. Ça reste pas non plus un truc de fou, mais il y a déjà quand même un but. Et s'il y avait un but sur toutes les pelouses, ce serait déjà mieux. Ballon qui va être écarté à côté droit, peut-être pour les Sochaliens. Le centre à jouer là, peut-être pour Sochaux, l'occasion de 2-0, la frappe sochalienne peut-être, non finalement ça va être écarté à droite, le centre sochalien, ce sera dégagé là par les Dijonais, attention, et non finalement les Dijonais qui vont être plutôt vigilants là chez eux. Il y avait une belle occasion là quand même pour les sochaliens, l'arbitre qui va pas tarder à signaler la mi-temps, toujours 1-0 pour le moment pour Sochaux, le centre à jouer pour les sochaliens. Je rappelle qu'on va passer au jeu de la mi-temps, les gars, comme d'habitude. Allez, ballon écarté à gauche là pour Sochaux, ça combine bien. Allez, Sochaux, le mec canal foot, le centre pourquoi pas. Le centre sochalien qui va finalement être dégagé là par les Dijonais. La frappe sochalienne, ce sera arrêté par le bel arrêt de Baptiste René. Belle frappe de la part de Weisbeck, il me semble, du côté de Sochaux. Le numéro 10 sochalien, Weisbeck. Et toujours 1-0 pour Sochaux chez la mi-temps. C'est la mi-temps de partout sauf sur la pelouse de Nîmes. Punaise, on n'aura eu qu'un seul but en une mi-temps. C'est un record. Ne me dites pas que ça s'est déjà passé. Hein. Ça s'est déjà passé qu'il y a eu un seul but, les amis. C'est RWDZ. Là on suit tous les multiplex. On va se déplacer là sur la pelouse. Enfin, on suit tous les matchs de cette soirée. On va se déplacer sur la pelouse de Nîmes. Vous savez, les amis, sur la chaîne cette saison, je vais vraiment faire
beaucoup de Ligue 2. Et on va se déplacer là sur la pelouse de Nîmes face à Bastia. C'est le seul match qui ne s'est pas encore terminé. Vous savez qu'après on fera le jeu de la mi-temps, les amis. Et après voilà, j'ai vu dans le chat, il y en a un qui me parlait de gardien dans le chat. J'ai pas eu le temps de voir qui. Mais c'est vrai que les gardiens, ah si c'est Common France je crois qui nous a mis ça. Au moins les gardiens de toutes les équipes doivent être heureux MDR. Bah oui ça c'est sûr, hein. Par contre les gardiens ils doivent être vraiment heureux, hein. Il y a que des clean sheets pour le moment. Il y a juste Dijon, mais... Bon, Dijon, imaginez l'état dans lequel il doit être. Les Dijonais, ce sont les seuls qui sont pris un but. Quoi. Les Dijonais, vraiment, ce sont les derniers de la classe quoi, ce soir. Hein. Pour le moment, alors que c'est toujours pas la mi-temps, hein, entre Nîmes et Bastia, les amis. C'est toujours pas la mi-temps entre Nîmes et Bastia. Toujours 0-0. Normalement, il y avait censé avoir une minute de temps additionnel entre les Nîmois et les Bastia. Finalement, ça fait 3 minutes 30 que l'on joue carrément dans le temps additionnel. Les buteurs sont en berne ce soir, nommé Jean-Michel. Mais clairement, hein, à part Sissoko qui a marqué pour Sancho, sinon il n'y a rien du tout. Je rappelle qu'on va passer au jeu de la mi-temps, les amis. Hein, je le rappelle parce qu'on va vraiment pouvoir se divertir, hein, vraiment profiter du jeu de la mi-temps. Ce sera le seul moment du live où il y aura un peu d'action. On va pouvoir un petit peu se divertir parce que sinon, on n'aura rien à mettre sous la dent, hein, les gars. Franchement, profitez-en. Alors que là, on va justement. Ouais, pour le moment, c'est toujours pas la mi-temps entre Nîmes et Bastia. Le ballon qui va être dégagé là par les Nîmois. Et ensuite, je pense que ce sera la mi-temps. Comme quand t'es seul là qui a une mauvaise note, mais tacos, exactement, c'est ça quoi, c'est ça. Allez, le dégagement. Le dégagement là du gardien Bastia. Et c'est peut-être sur ça que l'arbitre va signaler la mi-temps. Non, toujours pas, punaise. Mais attendez, ça fait 4 minutes 16 que l'on joue au temps additionnel entre Nîmes et Bastia. Alors qu'il y avait une minute de base de prévu. C'est la mi-temps. C'est la mi-temps sur toutes les pelouses. Bah, ça va vite hein, pour dire les scores. Hein. 0-0 de partout, juste 1-0 pour Sochaux face à Dijon. Super, on s'éclate. Allez, on va passer au jeu de la mi-temps, les gars. On va passer au jeu de la mi-temps. Est-ce que vous êtes prêts pour le jeu de la mi-temps? On va passer. Voilà, vous mettez vos prêts dans le chat. Une fois que vous êtes prêts dans le chat, on commence avec la première question du jeu de la mi-temps. Je vais vous en poser 3. Sur toutes les équipes qui jouent aujourd'hui, je vais vous poser 3 questions. Le but sera de m'y répondre le plus rapidement possible dans le chat. J'ai même pas envie de parler des matchs tellement que c'est éclaté cette première période. J'ai même pas envie de parler des matchs, les amis. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on passe direct au jeu de la mi-temps. Je dis même pas une phrase sur les premières mi-temps parce qu'il n'y a rien à dire. Allez, première question. Je vois que vous êtes prêts. On va lancer la première question. Première question, c'est parti. Les amis, première question, c'est parti. 3, 2, 1. Première question, qui est l'unique buteur? Voilà, j'ai vu qu'il y en a un qui me l'a mis dans le chat. Question du jeu de la mi-temps, 2 points, qui est le buteur? Et du coup, je vous le dis, qui est l'unique buteur, les amis? Qui est l'unique buteur de ce jeu de la mi-temps, les gars? Et là, c'est en vrai, ça va. Franchement, comme première question, il y a plusieurs quand même. Qui est l'unique buteur de ce multiplex? Pour le moment, il n'y en a qu'un seul buteur. Il n'y en a qu'un seul. C'est qui? Tout simplement. Hop. Qui est l'unique buteur de ce multiplex pour le moment, les amis? En vrai, la question, voilà, on commence par facile quand même. Allez, on va râler du coup vos réponses. Il fallait me mettre Sissoko hein, pour les Sochaliens. C'est l'unique buteur. Putain, mais par contre, j'en reviens pas. Les amis, pour truc, ça fait vraiment ultra longtemps que vous suivez le foot, vous suivez la Ligue 2, etc. Est-ce que c'est déjà arrivé une fois en Ligue 2 qu'il n'y a qu'un seul but tous les 45 par minute d'un multiplex 8 matchs là? C'est déjà arrivé ou pas là ce qui est en train de se passer? Ou c'est vraiment on n'a pas de bol quoi? C'est jamais arrivé ça, c'est pas possible quand même. Bravo du coup Jordan. Putain, c'est pour ce but de Valenciennes qui a refusé 2 pénalty manqués. Là vraiment, il. C'est trop là. Bravo Jordan du coup qui répond juste le premier. Ensuite c'est le dab tranché. Bravo le dab tranché. Et après c'est Jacob juste devant FC Taco. C'est Bouboud. Bravo Jacob. Voici le classement du jeu de la mi-temps de cette semaine. Voici le classement du jeu de la mi-temps de cette semaine. Passons à la deuxième question du jeu de la mi-temps, les amis. Deuxième question du jeu de la mi-temps. Je sais pas, c'est la première fois que je regarde la Ligue 2 de Mélodab tranché. Ah ok. Une fois il y avait eu que 8 buts en un multiplex, je crois. Ouais, mais en un multiplex, là on a eu que 1 but. S'il se passe la même chose en deuxième mi-temps, on aura que 2 buts quoi. Bon après, en deuxième mi-temps, souvent ils lèvent un peu leur niveau de jeu, etc. quoi. Mais une fois il y avait eu que 8 buts en un multiplex. Wow, 8 buts en un multiplex, ça devait vraiment pas être faux aussi. Hein. Non, je connais pas RDWDZ. Allez, deuxième question du jeu de la mi-temps, les amis. Deuxième question du jeu de la mi-temps. On est parti. Allez, attention.
3. Attention, deuxième question. 3, 2, 1. Deuxième question. Qui a la meilleure attaque? D'ailleurs, je me suis trompé. Qui a la meilleure attaque, les amis? Qui a la meilleure attaque? Qui a marqué le plus de buts sur... Bah, c'est que sur les équipes du multiplex. Hein. C'est que sur les équipes du multiplex. Peut-être qu'il y en a égalité, mais voilà, c'est que sur les équipes du multiplex, les gars. Qui a la meilleure attaque que sur les équipes du multiplex? Vous savez que les jeux de la mi-temps, je vous pose des questions que sur les équipes qui jouent. Donc c'est que sur les équipes du multiplex. Qui a la meilleure attaque? Je vois que vous mettez Saint-Etienne. Ça marche pas Saint-Etienne, même si c'est vrai qu'ils ont la meilleure attaque puisqu'ils ont marqué le plus de buts. Mais sur les équipes du multiplex, qui est-ce qui a la meilleure attaque? Et un petit indice, il y en a... ah non, il n'y a pas d'égalité. Il n'y a pas d'égalité, il y en a juste une. Ah si, il y en a deux à égalité en fait. Il y a deux équipes que vous pouvez me citer. Deux équipes que vous pouvez me citer, les gars. Qui a la meilleure attaque, les amis? Alors, hop, là, je vais regarder vos réponses, du coup, qui a la meilleure attaque. Donc c'était soit donc la meilleure attaque de Ligue 2 pour le moment, c'est Saint-Etienne, mais Saint-Etienne ne joue pas dans le multiplex. Donc c'était soit Le Havre qui avait marqué 13 buts et Sochaux aussi, puisque Sochaux en avait marqué 12 avant que le match commence, mais ce sont les seuls à en avoir marqué. Hein. Donc fallait mettre Sochaux aussi. Allez, qui a la meilleure attaque? Donc bravo à tous ceux qui m'ont mis soit Sochaux, soit Le Havre, un des deux, ça m'allait. Juste un des deux, ça m'allait, pas obligé de mettre les deux. Saint-Etienne Nord, Sochaux, bravo à Jordan qui répond juste le premier. Ensuite, salut Aligno. Alors attendez, Sochaux, ASS, Bordeaux, Sochaux. Ah bravo à FC Tacos en deuxième position. Et bravo à Le Best du 68 en troisième position. Voilà du coup le classement du jeu de la mi-temps de cette semaine. Passons à la deuxième, à la dernière question. Passons à la dernière question du jeu de la mi-temps. Les amis, attention. Comment tu sais, Lucas? Qu'est-ce que tu me racontes, Lucas? Lucas MRNO25, là, qu'est-ce que tu me racontes? Ligue 1 égale Farmer League, Ligue 2 égale la Ligue des livreurs de frigo nommés. Je sais quoi ça, Yexou. Allez, on est parti pour la troisième et dernière question. On est parti, les gars, pour la troisième et dernière question du jeu de la mi-temps. Je rappelle que vous pouvez tous y participer. Et d'ailleurs, juste avant de lancer la dernière question, si jamais, hein, je le dis quand même, si jamais vous n'avez pas liké, n'hésitez pas. Et si jamais vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas aussi. On est bientôt 21 100 abonnés. Voilà, je place ça là. Je le place là. Hop là, vous en faites ce que vous voulez, les gars. Mais voilà, comme ça, c'est dit. Voilà, parenthèse fermée, on va passer à la dernière question du coup du jeu de la mi-temps. Je le dis, je vous le rappelle parce que je sais que certains peuvent oublier et tout, tu vois. Je le rappelle. Allez, on est parti du coup pour la dernière question du jeu de la mi-temps. Dernière question du jeu de la mi-temps. Qu'est-ce que je peux vous poser comme question? Parce que j'en avais mis une, mais elle était nulle un peu. Je sais pas ce que je peux vous poser comme question, les amis. Bon, allez, je vais mettre ça. Question classique, franchement là je suis pas allé chercher loin. 3, 2, 1. Dernière question du jeu de la mi-temps, citez-moi un des 8 stades dans lequel ce multiplex se joue. Allez-y dans le chat. Question classique, les amis. Citez-moi un des 8 stades, les amis. Hop là. D'ailleurs voilà, pour tous ceux qui m'ont mis ouais j'ai répondu premier, en fait tu m'as pas mis de point. Je mets le point d'exclamation JMT dans le chat. Comme ça, voilà, je mets le point d'exclamation JMT dans le chat, comme ça vous aurez une réponse de Streamlabs qui vous expliquera pourquoi en fait. Hop.
Ok. Allez, on va regarder vos réponses du coup, les amis, dans le chat. On va regarder vos réponses dans le chat. Hop là, on enlève le classement. Donc, citez-moi un des 8 stades. Donc là, vous aviez le choix. Là, vous aviez 8 choix différents. Hein. C'est simple que ça. Donc voilà, hein. Bien sûr, vous aviez le choix. Ornano nous met The Future. Michel Ornano, du coup, de Caen. Bravo, The Future. En première position. Ornano nous met Aligno en deuxième position. Bravo, Aligno. Et après, on a René Gaillard nous met Jordan. Oui, ça marche. Mais je sais plus quelle. Je sais que oui, ça marche. C'est une des équipes, mais je sais plus laquelle. Peut-être le stade de Laval. Non. Mais oui, ça marche. Je crois on l'avait dit en plus en avant-match. René Gaillard, ouais, c'est celui de New York. Voilà, ok. Bravo du coup à Jordan. Voilà le classement du jeu de la mi-temps. Voilà le classement, les amis, du jeu de la mi-temps de cette semaine. Attention, parce que Ram Team s'est fait rattraper. Hein. Il y a encore le live de ce soir, plus le multiplex de demain, plus peut-être d'autres lives demain. Il en reste encore hein, des lives pour le jeu de la mi-temps. Donc c'est loin d'être terminé. Et merci encore à tous d'avoir participé au jeu de la mi-temps. Il faut remonter à la saison 2007-2007 pour trouver une purge avec 8 buts. C'était à la J32. Ouais, 8 buts en un multiplex. 8 buts en un multiplex durant la saison 2006-2007. Mais est-ce qu'en une mi-temps, il y avait eu seulement un but? Ou est-ce que ça se trouve peut-être que c'était plus hein. Salut Lustuc Croc, salut à toi. T'en penses quoi du match de PSG SB29 tout à l'heure? Sinon, force à toi, ça doit pas être facile de commenter 8 matchs en même temps. Bah, après, en vrai, Lustuc Croc, quand t'as un seul but en 8 matchs, ça va, franchement. Sinon, qu'est-ce que j'en pense de la victoire du PSG? Belle victoire pour le PSG, mais on peut quand même féliciter aussi les Brestois qui ont fait un match pas mal. Dommage qu'ils ont raté le péno avec Slimani, mais sinon, c'était pas mal, franchement. Belle victoire parisienne, ils ont quand même su faire le job les parisiens, mais les Brestois ils peuvent être heureux je pense. Allez voilà les amis, on vient de terminer le jeu de la mi-temps, merci à tous d'avoir participé au jeu de la mi-temps, ça fait plaisir. La deuxième mi-temps entre Caen et Amiens, entre Dijon et Sochaux, entre Annecy et Quevilly, etc. va pas tarder à recommencer, donc on se remet en place. Bien sûr vous savez que voilà, les joueurs sont de retour sur les pelouses, mais avant vous savez que le live il est sponsorisé par OneFootball les amis. OneFootball qui est une application 100% football, la première application du football dans le monde entier qui est entièrement gratuite et qui est téléchargeable sur iOS et sur Android, c'est-à-dire sur l'App Store et sur le Play Store hein, les amis. C'est une application gratuite, pour la télécharger il faut la passer par le lien qui est première ligne de la description ou le lien que je vous mets dans le chat. Dans tous les cas c'est le même, ça permet de soutenir la chaîne également. Merci à tous ceux qui téléchargeront l'application. Le principe en fait il est simple hein, le principe de l'application, vous pouvez mettre en favori des ligues, des championnats. Si vous mettez en favori la Ligue 2, vous aurez toutes les infos sur la Ligue 2. Si vous mettez en favori, je sais pas moi, Nîmes, vous aurez toutes les infos sur Nîmes. Si vous mettez en favori hein, même un joueur en précis, vous aurez toutes les infos sur le joueur, etc. Vous avez des infos transfert, vous avez plein d'infos sur OneFootball. N'hésitez pas à télécharger OneFootball en passant par le premier lien de la description ou le lien que je vous ai mis dans le chat, c'est pareil. Je vous remercie en tout cas les amis, ça fait plaisir. Merci à vous tous. Et c'est reparti entre c'est reparti sur les pelouses de quelques matchs, pas encore hein. Vous avez le temps d'aller télécharger OneFootball si vous voulez hein. Enfin pas sur toutes les pelouses, mais en tout cas c'est reparti sur quelques pelouses, notamment sur la pelouse de Grenoble et de Laval, ainsi que celle de Niort, avec un ballon dans les pieds des Grenoble à la côté gauche. On est du coup entre Grenoble et Paris FC, ballon dans les pieds des Grenoblois, pourquoi pas là, toujours 0-0 entre Grenoble et Paris FC avec un ballon à gauche. Et du coup voilà, c'est reparti, bonne deuxième mi-temps, au pluriel à vous tous. Merci encore pour les 135 likes, toujours hein, les petits likes, n'hésitez pas. Hop. Hop. Attention les amis, on va peut-être revenir du coup entre Grenoble et Paris FC, alors qu'il y a eu une grosse occasion sur une autre pelouse. On va peut-être se déplacer sur cette sur la pelouse concernée. Je me souviens de la saison dernière lors d'un multiplex Ligue 2, il y avait eu 0 but à la mi-temps et Dijon avait marqué le premier but. Ah ok Quentin, donc ok d'accord. Donc ça s'était déjà passé, c'est quand même assez fou je trouve. Ouais, belle occasion là pour les Parisiens à l'instant là entre Grenoble et Paris FC, vraiment une belle occasion là pour les Parisiens avec cette frappe de Gorille les amis, belle occasion. Ça démarre fort à Amiens, nous met Chan Bouvier. Bah c'est pas encore reparti et c'est pas à Amiens non plus Chan. Yexou qui nous met, et si on met la Régionale 3 en favori, Régionale 3 égale Ligue des Yexou, finesse. Allez, ballon dans les pieds là pour le moment des Grenoble. Allez, les Grenoble qui vont pouvoir partir en contre là peut-être. Alors que c'est reparti de partout, hein, sauf sur la pelouse de Nîmes, sinon c'est reparti de partout. Allez, Grenoble qui a toujours le ballon. Là pour le moment, je vais boire un petit coup parce que j'ai soif. Voilà, tout simplement. J'étais parti pour me justifier alors que non. Hop là, attendez, je vous mets juste cet écran là parce que je sais pas si. Voilà, juste pour que je puisse boire tranquille.
Voilà, c'est bon, j'ai bu, hop là, on est toujours sur la pelouse des Stades des Alpes, 0-0 pour moi, les Grenoblois qui font tourner. Les amis, les matchs vont devenir de plus en plus nuls cette saison en Ligue 2, comme d'hab, Nouméa Aligno. Est-ce qu'il y aura de... Non, en vrai, les matchs en Ligue 2, ils sont bien. Ils sont peut-être pas... Moi, en vrai, j'accepte que certains me disent qu'en Ligue 2, c'est moins impressionnant techniquement. T'as pas des Messi, t'as pas des Neymar, t'as pas des Mbappé, tu vois peut-être des gestes qui sont moins fous. Ça, je comprends. Oh, le but, les amis, le but, on a un deuxième but, il est sur la pelouse du Stade Malherbe de Caen. Quoi ? Attendez, ils nous ont mis but, mais en fait, il n'y a pas de but. Ah si, il est pour quand ce but ? Il est pour quand ce but sur ce centre, second poteau. Et ça fait du coup 1-0 là pour les Canets, le centre à terre, second poteau. Et Caen qui arrive à ouvrir le score. Salut Nathassé Noti, voilà l'ouverture du score. Canaise, les amis, là face à Amiens, le deuxième but de ce multiplex. Oui, on l'a, deuxième but de ce multiplex. Ça fait plaisir parce que franchement, les amis... C'est vraiment une purge là pour le moment. Et en tout cas, ça fait 1-0 pour les Canets à la 47ème minute de jeu. C'est Caen qui ouvre le score alors que Haroko Dari avait raté son penalty juste avant la mi-temps. C'est Mendy servi par la gauche d'un de ses coéquipiers. Je sais pas qui est-ce qui a servi Mendy, mais en tout cas, vraiment un beau ballon pour servir son attaquant Mendy là, qui n'a plus qu'à pousser le ballon au fond des filets parce que Gartner s'est un petit peu raté, on va dire, dans sa sortie. Ça fait du coup 1-0 pour Caen qui arrive à ouvrir le score et Caen qui passe deuxième à un point derrière Sochaux et qui passe et qui a un point devant Bordeaux. Ouverture du score de Caen face à Amiens les amis, ça arrive un peu les buts. J'espère que ça va en appeler d'autres. Allez, c'est reparti justement là entre Le Havre et Niort également. Niort face au Havre les amis. 0-0, mais en tout cas voilà, 1-0 pour Caen. Les buts commencent à arriver. Arrêtons de critiquer la Ligue 2, Nouméa Mohamed. Non mais voilà, du coup ce que j'étais en train de dire, c'est qu'on peut dire que techniquement la Ligue 2 c'est moins impressionnant et tout, c'est normal. La Ligue 2 c'est un cran en-dessus, donc souvent il y a les niveaux, les joueurs les plus impressionnants et tout, bah ils sont en Ligue 1, c'est normal. Mais par contre, c'est pas parce que c'est une Ligue c'est pas parce que c'est la Ligue 2 donc qui est logiquement inférieure à la Ligue 1 en termes de niveau de jeu qu'il y aura forcément moins de buts, parce que bah peut-être que le niveau technique est pas fou en Ligue 2, mais c'est une équipe qui a un niveau technique pas fou qui affronte une équipe qui a un niveau technique pas fou. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc peut-être que voilà, c'est peut-être moins agréable à regarder, mais c'est pas forcément pour ça qu'on aura moins de buts. Pour prendre une comparaison un peu, bon là je suis un peu, je vais dire des choses un peu cash, mais c'est pas ce que je veux dire. Mais en gros, deux équipes fortes qui s'affrontent, bah ça peut faire 0-0, et deux équipes nulles qui s'affrontent, ça peut faire 2-2. Ou vous voyez ce que je veux dire. Je dis pas que en Ligue 2 les équipes sont nulles, hein, mais c'est juste pour prendre un exemple. Donc peut-être que voilà, il peut avoir autant de buts en Ligue 2 qu'en Ligue 1, mais c'est juste le niveau technique qui sera peut-être moins fou. Comme je dis, on n'a pas de Mbappé, on n'a pas de Neymar, etc. Ça joue peut-être un peu plus. T'as pas des sombreros à chaque match, quoi. Ça c'est normal, mais peut-être que ça fait que c'est peut-être moins impressionnant. Et encore, franchement. Mais non, la Ligue 2, ça reste quand même un beau championnat, je pense, hein, les amis. Franchement, ça reste quand même un beau championnat, mais sûr que ce soir, bon bah voilà, quoi. Ce soir, on n'est pas gâté en termes de buts. Hein. Attention, Clément Loin Cartel à côté gauche, peut-être entre Nîmes et Bastia. Nîmes-Bastia, on est au Costière avec un monde dans les pieds des Nîmois quand même qui sont réduits à 10. Mais les amis, les Nîmois qui tiennent. Toujours le 0-0, hein. Nîmes qui arrive à tenir le 0-0 alors que bah franchement à 10 contre 11 c'est compliqué. Ils sont pris le carton assez tôt je crois en plus, hein. Ils sont pris à la 27ème minute de jeu les Nîmois, hein, le carton rouge. Et pour le moment il y a toujours 0-0 entre Nîmes et Bastia alors que là on aura dans les pieds des Bastia là pour relancer. Les Bastia qui vont pouvoir relancer peut-être. Tu supportes qui ce soir? Flex Slow, je ne supporte personne mon frérot, ce soir je suis neutre. Flex, je suis neutre. Allez, Amiens, par contre, Sochaux reste bien concentré envers Dijon, nous met Chan. Mais oui, je comprends, il y a des jours avec et des jours sans. Ouais, voilà, c'est aussi un peu ça, hein, ce futur. On a une Ligue 2 avec des internationaux qui vont participer aux Coupes continentales et aux Coupes du Monde, c'est sûr, oui. Et puis, en plus, en France, la Ligue 2, voilà, vous avez dans la Ligue 2 d'un autre championnat qui est déjà pas très connu, c'est pas fou. Alors que la Ligue 2 en France, elle est quand même belle, hein, comparée à d'autres division 2, on va dire, dans d'autres championnats. Mais bon, voilà, c'est normal que peut-être que techniquement, c'est moins beau à regarder que la Ligue 1.
C'est possible. Alors que là, il y aura une faute justement d'un Bastia là sur un Nîmois. Il y aura du coup un dégagement à jouer pour René. Mais c'est pas pour ça qu'il y a le moins de buts, quoi. Dégagement de René. Allez, dégagement de René. Ce sera peut-être sur la tête d'un Bastia. Alors qu'on va se passer là sur la pelouse de Grenoble au stade des Alpes. Grenoble Paris FC sur 0-0. Mais ça, entre Grenoble et Paris FC, j'ai l'impression que le match à 0-0. Mais j'ai l'impression qu'il se passe des trucs de fou entre le Grenoble et Paris FC. En mode, il y a des occasions tout le temps. Hein. J'ai l'impression qu'il y a tout le temps des occasions entre Grenoble et Paris FC. Mais il n'y a jamais de but. C'est assez bizarre. Probablement le GF 38 tenu un petit peu en échec. 1-0-0 sur sa pelouse par les Parisiens. Les Parisiens qui vont pouvoir pas s'en rendre avec Iglesias. C'est finalement l'arbitre qui va s'y aller. Une faute d'un Parisien sur un Grenoblois. La Ligue 2 est à peine au niveau de l'EFL 2 en Angleterre. Mais c'est quoi? C'est la 3ème division, non? Oh, le but, les amis. Allez, ça commence à arriver. Ça commence à arriver. Le but, il est pour les pour Rodez face à Valenciennes. Le but pour Rodez face à Valenciennes, les amis. Je vous ai pas mis l'animation. Là, voilà, ça fait 1-0 pour Rodez face à Valenciennes. Alors que nous sommes à la 52e minute de jeu, 1-0. C'est ouais, alors qu'il y a eu une belle occasion aussi pour Caen à l'instant là au stade Michel Dornano. En tout cas, ça fait 1-0 là pour Rodez qui vient ouvrir le score face à Valenciennes. Alors que Valenciennes avait eu une grosse occasion d'ouverture le score aussi avant que le match, enfin en première mi-temps, bah, ils avaient ouvert le score, mais ils ont vu leur but se faire refuser. Et bien, c'est bel et bien Rodez qui ouvre le score. Pour le moment, Prime Video nous a pas montré l'ouverture de score de Rodez, mais je vous l'ai décrit une fois qu'il nous la montre. Ça, il nous la montre en fait. Ça part d'un coup franc valenciennois et en fait, c'est un contre. C'est un contre, les amis, là pour Rodez. Hein. C'est un contre pour Rodez. Rodez qui mène vraiment bien le contre là côté gauche. Ouais, vraiment la défense de Valenciennes, elle est vraiment mauvaise là. Par contre, pour le coup, centre en retrait, il y a un joueur de Rodez qui arrive lancé à peu près à la hauteur du point de pénalty, un petit peu excentré pied gauche. Il est pris par aucun joueur et ça fait 1-0 pour les pour Rodez. Et ça continue avec un but pour le Havre. Un but pour le Havre face à Niort et c'est signé. Je crois que c'est sur pénalty. Hein. Je crois que c'est sur pénalty là pour les Havre. Et oui, c'est l'écale. C'est l'écale alors que les Havre avaient raté un premier pénalty à la 36e minute de jeu. C'est Kitala qui avait manqué un pénalty à la 30e minute de jeu. Et bien là, c'est l'écale à la 54e minute de jeu qui vient permettre au Havre de mener 1-0. L'écale pour le Havre et pour Rodez. C'est Corridor qui est arrivé lancé, qui a ajusté parfaitement le gardien valenciennois. 1-0 pour Rodez, 1-0 pour le Havre. Ça y est, ça y est, ça y est, les amis, ça commence à arriver. Les buts, on a déjà, deux buts. Non, on a 3 buts en 10 minutes, alors qu'on a eu seulement un but en 45 minutes. Mais voilà, c'est sur penalty hein, pour les Havrais. C'est sur penalty pour les Havrais. Les cales, le capitaine Havrais qui a pris ses responsabilités. Il a posé le ballon là sur le point de penalty. Il s'est lancé. C'était pas un contre-pied hein, pour les cales. Le gardien avait bien plongé du bon côté, mais il l'avait bien tiré, mieux que Kitala qui lui l'avait mis à côté. Et ça fait 1-0 pour les Havre face à Niort, 1-0 pour Rodez, 1-0 face au Havre, 1-0 pour 1-0 pour le Havre face à Niort, 1-0 pour Caen face à Amiens et 1-0 pour les Sochaniens sur la pelouse dijonnaise. Les amis, ça y est, ça commence à arriver. Alors qu'entre Pau et le Havre et Laval, on a The Strange qui le met, ça donne quoi pour Pau? Bon, écoute, toujours 0-0 pour le moment. Prime Video nous montre peu le match entre nous montre Pau. Il nous montre peu, on va s'arrêter là. Le match, j'ai tenté un truc, mais je me suis dit que ça passait pas. J'ai remarqué que ça passait pas. Bref, du coup, voilà, Prime Video qui nous montre peu le match entre Laval et Pau. Et c'est pour ça que bah, je pense que ça va pas être un match de fou s'il nous le montre pas beaucoup. Allez, on va se déplacer quand même là entre Dijon et Sochaux. Dijon Sochaux. Le but, les amis, là pour les Sochaliens, ça fait 2-0, les amis, entre Dijon et Sochaux. Les Sochaliens qui mettent le deuxième but, les Dijonnais qui prennent l'eau chez eux et les quelques supporters, j'allais dire de Sochaux, mais les très nombreux supporters hein, qui ont fait déplacement au stade Gaston Gérard. Ils sont nombreux quand même, les Sochaliens, à avoir fait le déplacement là, qui viennent célébrer avec leurs joueurs. Belle frappe là de la part du numéro 70, c'est Doumbia qui double la mise. Doumbia qui n'avait pas ouvert le score, je crois qu'il avait ouvert le score, mais non, Doumbia elle avait marqué je crois il y a une semaine hein, mais là il remarque Doumbia pour les Sochaliens. Belle frappe de Doumbia qui vient faire trembler les filets. Ça fait donc 2-0 pour les Sochaliens. Sochaux qui est Sochaux qui est quand même bien parti pour s'imposer. Sochaux, les amis, qui sont quand même bien partis là pour s'imposer 2-0. C'est la seule équipe qui mène tranquillement là. 2-0 pour Sochaux face à Dijon. Vraiment, on voit pas du tout comment les Dijonais peuvent revenir là avec l'ouverture de score de Sissoko. Doumbia qui double la mise. Ça risque d'être très compliqué là pour les Dijonais. Belle frappe de Doumbia dans la surface de réparation. Il était tout seul et
Et ben voilà quoi, ça fait 2-0, il était tout seul, il était à quoi, 5 mètres de la ligne, le gardien il y peut rien dans ces situations, et ça fait 2-0 du coup là pour les Sochaliens, 2-0 pour Sochaux, alors qu'il y a 0-0 de partout, on rappelle les scores, 0-0 entre Annecy et Quevilly-Rouen, 1-0 pour Caen face à Amiens, 2-0 pour les Sochaliens sur la pelouse du stade de Dijon, 0-0 entre Grenoble et le Paris FC au stade des Alpes, 0-0 entre Laval et Pau, 0-0 entre Nîmes et Bastia, 0-1 pour les Havrais face au Niortais, et 1-0 pour Rodez face aux Valenciennois. Pour le moment on va se déplacer là de nouveau sur la pelouse du stade Michel Dornano à Caen, où les Canets mêlent toujours 1-0 devant leur public, et les Canets là pour le moment qui jouent plutôt très bien. La frappe Canet, oh là 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 les amis, mais c'est un festival de buts. On a eu une première mi-temps, on a eu des premières mi-temps éclatées, mais les deuxièmes mi-temps elle nous offre de très 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 beaux buts là. Quelle frappe de la part du Canet là, et ça fait 2-0 pour les Canets qui suivent le rythme imposé par les Sochaliens. Caen qui répond, et Caen du coup qui est troisième hein, puisque le Havre a ouvert le score. Caen se place 3, et Caen qui vient soigner son goal à virage face à Amiens. C'était vraiment un match pas facile à négocier là pour Caen. Ils sont en train de le négocier de la meilleure des manières, les Canets face à Amiens, puisque Amiens est en train de prendre l'eau également face à Caen. Mais quelle frappe pied gauche, voilà, il s'est retourné, c'est le numéro 99 hein, de Caen. Oh, quel match, quel but plutôt de la part de SND. Oh, SND les amis, pour vous décrire le but, il était entre le point de pénalty, l'entrée de la surface de réparation, un peu entre les deux. Il est dos au but, il se retourne, il se met sur son pied gauche, frappe tout droit dans la lucarne. Dans la lucarne, magnifique le gardien, il n'a pas bougé, il a juste regardé le ballon comme ça arriver dans la lucarne. Et ça fait 2-0 là pour les Canets. Oh là 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 là, ça fait plaisir franchement, les buts qui arrivent, but, ça y va de partout franchement. Je veux que vous fassiez comme AS Tantin et les amis, bah, tous ceux qui le peuvent bien sûr dans le chat, mettez-moi un max de buts parce que là ça en vaut la peine je pense, hein, on n'en a pas eu. Et là on en a, donc on en profite, 2-0 pour Caen face à Amiens, alors qu'on va se déplacer de nouveau sur la pelouse de Grenoble. Petite parenthèse encore les amis, on est à 4 abonnés les 21 100 abonnés. On est à 4 abonnés les 21 100 abonnés les gars, vous connaissez les gars, alors qu'on a The Future qui nous met les buts. Voilà, ça fait plaisir. En plus ça colorie le chat. Ça colore le chat. Non, attendez, punaise, j'ai un doute. Si ça colore. Non. Wesh, j'ai un... Bon, allez, on s'en fout. Attention, on va quand même revenir peut-être sur la pelouse du Paris FC. La frappe. Oh là là, mais c'est bien ce que je dis. Hein. C'est bien ce que je dis entre Grenoble et le Paris FC. Il se passe 12 000 choses. Il y a plein d'occasions. Mais il n'y a aucun but. Il n'y a aucun but. Je pense que ça en vaut la peine d'aller regarder les statistiques entre Grenoble et le Paris FC. Hein. On va regarder les statistiques entre Grenoble et le PFC. 48% à 52 la possession. Il y a eu 6 tirs à 6. 3 tirs cadrés à 2, mais toujours aucun tir dans le match entre Grenoble et le Paris FC. Alors attention, ballon qui va être récupéré là par les Grenoblois. Il y aura peut-être un contre à jouer là pour Grenoble. Les Parisiens qui ont du mal à faire leur retour. Salut à toi El Pelo, salut à toi. Le hack deuxième. Et oui, le hack deuxième hein, les amis, on va faire un petit tour au niveau du classement. Sochaux premier, le Havre deuxième et Caen troisième. Perfecta, c'était pas donné hein. C'est pour ça qu'il faut des likes. Non, je regarde, attention avec le ballon dans les pieds du Paris FC, la frappe parisienne. Oh, cette fois-ci c'est dedans. Oh, cette fois-ci c'est dedans pour le Paris FC qui ouvre le score. Face au GF 38 les amis, au stade de Zap, ce sont les Parisiens qui sont en train de mener. Ouverture du score, belle frappe là côté droit, un petit peu excentré. Belle frappe pied droit là qui vient fuser dans la lucarne du gardien de Grenoble qui n'a rien pu faire. Et ça fait donc 1-0 pour les Parisiens qui ouvrent le score à l'instant. Grâce à... Ouais, j'ai du mal à reconnaître les buteurs aujourd'hui. Hein. Puis après, voilà, c'est sûr qu'en Ligue 2, j'en connais plus quand même. En Ligue 2, voilà, la Ligue 2, c'est pas mon fort. Hein. Je suis beaucoup plus à Ligue 1 que la Ligue 2. Mais en tout cas, voilà, c'est Morgan Guilavogui, le Guinéen, qui vient permettre aux Parisiens d'ouvrir le score. Il avait déjà marqué Guilavogui face à Bordeaux, hein, il me semble, il y a une semaine. Et là, il remarque pour le Paris FC et permet aux Parisiens de mener 1-0 face à Grenoble. Même si, bon, face à Bordeaux, malheureusement, il avait marqué. Et ça s'était terminé en 3-1. Espérons que ce ne soit pas le cas aujourd'hui face au GF 38 pour le PFC. Mais en tout cas, ça fait 1-0. Belle frappe de Guilavogui. Là, il était côté droit, excentré. Il vient frapper, ouais, côté opposé dans la lucarne, et ça fait 1-0 plutôt pour le Paris FC face au GF 38. Allez, le bac, allez, nous met Monsieur Bonbon. Et bah, elle commence à devenir active cette Ligue 2 enfin. Bah oui, franchement, oui. Comme quoi, il faut toujours attendre, les amis, et ça arrive forcément avec un peu de patience. Tout finit par s'arranger, tout finit par. Ah, par arriver tout simplement, les buts commencent à arriver et là c'est le cas, et franchement ça fait plaisir parce que c'était pas gagné. Alors que là il y aura une touche à côté gauche pour les Nîmois. Nîmes face à Bastia, toujours 0-0 par contre hein, au Costières, toujours 0-0. Faut quand même pas rêver, hein. Il y a quand même quelques matchs où il y a toujours pas de but hein. Il y a quand même quelques matchs où il y a toujours pas de but les amis. Attention avec le ballon là côté gauche pour les Bastiais. Les Bastiais qui vont peut-être pouvoir partir en contre là.
Attention, 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 attention les amis, parce que là les Nîmois qui seront peut-être réduits à 9. Il avait déjà pris un jaune là le Nîmois. Ah, attendez, 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 c'est du côté Bastien. C'est du côté Bastien, les amis, qui va peut-être avoir une expulsion. C'est du côté Bastien qui va peut-être avoir une expulsion. J'avais pas tout compris de ce qui s'était passé là sur la pelouse des Cossières, parce qu'en fait, on avait deux joueurs à terre, etc. J'avais pas tout compris, mais si j'ai compris, ce sera peut-être une expulsion pour les Bastiais. Pour le SC, Bastia les amis, et oui, l'expulsion, double carton jaune pour le capitaine Bastia, c'est Vincent qui se prend le double jaune et ça fait carton rouge, les Bastia qui eux aussi sont réduits à 10, les Nîmois qui, voilà, le match qui va se terminer à 10 contre 10 entre Nîmes et Bastia pour le plus grand bonheur, j'imagine, des supporters Nîmois, les amis, les Bastia réduits à 10 également, tout comme les Nîmois, 10 contre 10 entre Nîmes et Bastia. Bon après voilà, c'est bien beau les cartons rouges, hein, mais nous on s'en fout des cartons rouges, nous on veut des buts. Hein. Mais voilà les Nîmois qui sont à 10 et les Bastiais qui le sont à leur tour. Les amis, le match va être relancé entre Nîmes et Bastia. Ah c'est dommage, hein, voilà, Vincent il essaye de réclamer là auprès de l'arbitre, mais bon il va devoir sortir. Hein, il va devoir sortir du terrain, il s'est pris le rouge, il va devoir sortir. Et en tout cas on le reste à 0-0 hein, entre Nîmes et Bastia alors qu'on a une demi-heure de la fin du match. Mais au moins tout est relancé entre les Nîmois et les Bastiais. Vincent qui se fait consoler un petit peu par ses partenaires, le capitaine Bastiais, qui permet aux Nîmois de rêver peut-être d'une remontada, mais en tout cas d'une victoire qui aurait pu se révéler inespérée lorsqu'ils sont pris le premier carton rouge, les Nîmois. Et là il peut peut-être espérer s'imposer. Puisque bah maintenant ils sont remis à niveau à 10 contre 10. Alors qu'on va se déplacer du coup sur la pelouse de Rodez. Rodez face à Valenciennes. 1-0 je rappelle pour Rodez. Ballon dans les pieds de Rodez, là le centre de Rodez qui sera finalement capté par le gardien valenciennois. Il fait nuit dans les stades où il fait encore jour, nommé Jordi. Bah ouais Jordi, il suffit que tu regardes tes dehors et puis tu verras hein, puisque en France il fait. Ouais il fait un peu jour hein, là pour le moment hein, les amis, et bon on va dire qu'on a bien besoin des projecteurs hein, mais Jordi ta question bon voilà, explique si tu regardes dehors chez toi, je pense que tu auras la réponse, mais bon je peux te répondre, y'a pas de problème. Juste ça me fait rire. J'avais peur que c'était pas un multiplex s'il n'y avait pas minimum deux cartons rouges, mais je suis une claquette. Bon bah tu vois, tu les as eu. Tu les as eu, et en plus en bonus tu les as eu dans le même match. Attention avec le ballon peut-être dans les pieds côté gauche là pour Rodez. Rodez qui va pouvoir partir en contre peut-être. Ah le ballon carté à droite là pour Rodez. Les Valenciennes là qui ont du mal à se replier là pour le moment. Ah le ballon carté à droite. Rodez qui part encore une fois en contre. Les Valenciennes ils ont quand même du mal. Hein. Les Valenciennes ils ont du mal là. Ils sont déjà menés. Et en plus ils ont du mal à revenir au score. Et on est même plus proche d'un 2-0 que t'as un partout. Ils ont pas très bien réagi là les Valenciennois. Alors que Valenciennes revient derrière là pour le moment. Mais c'est vrai que depuis le match nul face à les Saint-Etienne, c'est compliqué pour les Valenciennois, je crois. Hein. 63ème minute de jeu sur toutes les pelouses. On va faire un petit tour des stades et on va commencer par Dijon contre Sochaux, les amis. Tour des stades, soyez vigilants. Bien sûr, je le dis avant d'entamer le tour des stades, hein, vous le voyez tout en bas à droite de l'écran si jamais vous voulez me suivre sur mes réseaux sociaux, n'hésitez pas, notamment sur Instagram si jamais vous voulez me parler hors live, ou des fois je suis actif en story où je vous mets même les buts des matchs que l'on commente comme j'ai fait cet après-midi sur Instagram. Vous pouvez d'ici tirer du bas-foot, comme ça peut vous être utile lorsque je vous commente. Par exemple ce soir je vais commenter Marseille-Lille, à la fin de ce live là je vais commenter Marseille-Lille, bah je vous mettrai les buts de Marseille et de Lille sur Instagram les amis. Donc voilà, vous pouvez bien sûr ensuite je vais vous, on va faire un petit tour des stade rapide de tous les matchs. Du coup on va commencer par Caen contre Amiens, donc dans par Annecy-Quevilly 0-0. Il y a eu 3 cartons jaunes dans le match. Caen contre Amiens 2-0 pour Caen. Il y a eu 1-2 changements du côté Canet, 2 cartons jaunes pour Caen, 2-0 pour Caen, donc SND et Mendy, 1 carton jaune pour les Amiennois, 2 changements pour les Amiennois. Rappelle que Haro Kodari a raté un pénalty pour Amiens alors qu'il y avait 0-0. Entre Dijon et Sochaux, il y a 2-0 pour les Sochaliens. On a eu un changement du côté de Sochaux, 2 du côté de Dijon, 2 cartons jaunes pour les. 1 carton jaune pour chaque équipe, on va dire. Sissoko et Doumbia se sont pris un but pour les Sochaliens. Entre Grenoble et Paris FC, 1-0 pour les Parisiens. On a eu un changement du côté parisien en première mi-temps, c'est Guy Lavogui qui a ouvert le score pour le Paris FC. Entre Laval et Pau 0-0, rien à signaler à part un changement de chaque côté et 2 cartons jaunes pour Pau. Entre Nîmes et Bastia 0-0, là il y a quand même pas mal de choses à dire, c'est que les deux équipes sont réduites à 10 puisqu'elles sont toutes les deux pris un carton rouge les amis. Il y a eu 2 changements pour les Bastia et 1
pour les Nîmois entre Niort et Le Havre. 1-0 pour Le Havre, c'est signé Lécal sur pénalty alors que Kittal avait déjà manqué un pénalty en première période pour les Havrais. Il y a eu deux cartons jaunes pour Le Havre, deux changements pour Le Havre et deux cartons jaunes pour Niort. Et entre Rodez et Valenciennes, 1-0 pour les Rodezois. Je pense que c'est comme ça qu'on dit. Ouais, je pense que c'est comme ça, hein, les amis. Hein. Corridor qui a marqué le premier but. Bon, de toute façon, j'ai quand même su le coup pied arrêté là entre Laval et Pau. Laval Pau, les amis, 0-0, toujours entre Laval et Pau. C'est un des matchs que Prime Video nous montre le moins. Alors, est-ce que c'est un des matchs où il y a vraiment le moins de choses qui se passent? Oui, je pense, c'est possible en vrai. Mais là, en tout cas, il y aura un dégagement à jouer pour les Lavalois. Donc voilà, 1-0 pour Rodez, signé Corridor, 2 cartons jaunes pour Rodez, 1 pour Valenciennes, 3 changements pour Valenciennes et 1 pour Rodez. Voilà pour le tour des stades rapide, les amis. En fin des buts, nous met Zuccoli. Mais c'est vrai que du coup, là, on est à 2, 4, 5, 6, on est à 7 buts. On a déjà 6 buts en une mi-temps, alors qu'on en a eu un but seulement en première mi-temps, quoi. Attention avec le ballon dans les pieds des Lavalois. Les Lavalois qui vont pouvoir dégager là ce ballon, pourquoi pas. Les Ruthénois. Ah, désolé, je savais pas, Santoy. Je savais pas aussi là. Je pouvais pas le deviner. Attention, le ballon écarté à la côté gauche pour Laval. J'espère qu'il n'y avait pas de supporters de Rodez, parce que sinon, ils doivent me haïr. Attention, la frappe là pour Laval qui va passer à côté. Des buts de Pau. Il y aura donc un dégagement à jouer là pour les Palois. Ça, par contre, je vais pas dire pour les Pauins ou les trucs comme ça. Non, c'est bien pour les Palois. Ça, je le sais, ça. C'est juste que je suis pour Bastia, en fait, nommé Ice Critix. Ça me fait plaisir que Sochaux aussi, cette équipe a clairement. Ça fait plaisir pour Sochaux aussi, cette équipe a clairement sa place en Ligue 1, nommé Chronique Orageuse. Ah, à vous en débattre. Pour toi, quelles sont les deux équipes qui vont monter en Ligue 1? Voilà, ça c'est vraiment la question que je peux pas y répondre. Parce que j'ai pas de réponse, tout simplement. Il y a tellement de bonnes équipes. Vous voyez, c'était Bordeaux qui était premier au début de la journée. Là, ils sont quatrième et encore la journée n'est même pas terminée. Puisque Metz et Guingamp n'ont pas joué. Et ces matchs-là sont pas terminés. Donc en vrai, il peut tout se passer encore. On est qu'à la 8ème journée de Ligue 1. À 10ème, 15ème, ça commencera peut-être à se dessiner. Mais bon, je pense que déjà, les équipes comme Pau, Niort, Annecy, c'est un peu mort. Même Saint-Etienne, c'est un peu mort pour Quimon, je pense. Déjà, ils ont déjà pris trop de retard, je pense. Allez, ballon dans les pieds du Havre. Même si c'est vrai que les Stéphanois, ils ont quand même eu le moins 3. Imaginez, on enlève le moins 3 aux Stéphanois qu'ils ont eu en début d'année. Ils seront à 10, hein, avec un plutôt bon goal à virage. D'ailleurs, ils pouvaient être potentiellement à la 10ème place si jamais on leur enlève le malus des moins 3 points. Ils étaient à la 10ème place, les Verts, si jamais on leur avait enlevé ce malus là. Donc c'est vrai que les Verts dans le jeu, en vrai, ils sont 17ème et dans le jeu ils sont quand même 10ème, hein. C'est vrai que c'est vraiment, c'est trompeur un peu. Attention avec le ballon dans les pieds là des Dijonais. Là pour le moment, les Dijonais qui ont le ballon, on est entre Dijon et Sochaux. Toujours 0-2 pour les Sochaliens, avec les Sochaliens là qui vont pouvoir relancer alors qu'on a AS Nanteuil, hein, qui le dit. Il le dit, AS Nanteuil dans le chat. Oula, par contre il y a un truc qui... Ok, c'est bon. J'avais un truc qui marchait pas, mais voilà. AS Nanteuil, il est dit dans le chat. Plus que 2 abos avant les 2100. 21 100 abonnés, nommé AS Nanteuil. Bah voilà, il l'a dit, AS Nanteuil. Si jamais deux d'entre vous ne sont pas encore abonnés, les amis, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Hein. Franchement, ça fait plaisir. En tout cas, là, merci à ceux qui viennent de s'abonner. Merci beaucoup à un abonné avant les 21 100. Merci beaucoup. Alors que là, il y aura une touche à jouer la côté gauche pour aller Sochalien. Allez, c'est joué. Allez, 3-0 pour le plaisir, nommé FC Taco. Ça tombe parce qu'il y aura une frappe Sochalienne justement pour le 3-0. Et finalement, ballon qui va être récupéré par les Dijonais. Les Dijonais qui vont pouvoir partir en contre avec un ballon écarté à côté droit. Peut-être c'est bien joué là pour Dijon. Dijon qui aura peut-être l'occasion de réduire l'écart. Il faut réduire l'écart là pour les Dijonais. Ballon écarté à gauche. Avec Westbeck, pourquoi pas, ça va sortir en touche pour Dijon. Hop, ça je vais le rapprocher. Tac. Les Dijonais qui ont le ballon, toujours. Ouais, ça fait tourner dans leur défense. C'est un choix qu'on est encore en été, il commence déjà à faire froid. Froid, c'est un grand mot quand même. Bref, là on va se déplacer sur la pelouse du stade Malherbe de Caen face à Amiens. Merci beaucoup pour les 20 000, 21 100 abonnés. Vous le voyez en haut à droite avec les compteurs. Merci beaucoup pour les 20. Ah, on vient de redescendre, mais merci quand même. J'ai remarqué vraiment, vous aimez faire ça à chaque fois qu'on passe un palier, que ce soit un palier de 1000 ou un palier de 100. Toujours ça se désabonne et tout, mais merci beaucoup pour les 21 100 abonnés. Du coup, ça fait vraiment plaisir, les amis. Merci à vous tous. Alors que là, on est toujours sur la pelouse du Stade Malherbe de Caen avec Gianni qui rentre, Mbok qui sort du côté de Caen. 70e minute de jeu, il reste environ 20 minutes à jouer. Salut, tu stream un match ce soir? Si oui, lequel? Marseille-Lille, Julien. Marseille-Lille ce soir en stream.
Alors, l'arbitre là qui est en train de parler entre Rodez et Valenciennes. L'arbitre qui est en train de parler là entre Rodez et Valenciennes. Alors, il parle de quoi? Je sais pas pour le moment. Alors, qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui se passe? Ok, ouais, c'est un joueur de Rodez qui se prend le rouge. C'est un joueur de Rodez qui se prend le rouge. Deuxième carton jaune pour Rodez et ça fait carton rouge. Carton rouge pour Rodez, les amis, qui est réduit à 10 contre 11. Rodez, aïe 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 aïe, ça fait mal. Hein. Ah, ça fait mal là pour Rodez. Et oui, et oui, et oui. Ça fait mal, les amis. Maintenant, ils vont devoir terminer ce match à 10 contre 11. Rodez, alors qu'en plus, ils menaient hein, Rodez. Va falloir tenir le 1-0. Ça risque de pas être facile, hein, les amis. Hein. Ça risque de pas être facile. Attention, le corner qui va frapper. Le but pour les Canets. Le but pour les Canets. Ça fait 3-0 pour Canton, leur pelouse face à Amiens. Oh, les Canets qui ont complètement terrassé Amiens aujourd'hui, les amis. Ça fait 3-0. On est à la 71e minute de jeu. Et Caen qui mène 3-0 sur leur pelouse. Oh, attendez, par contre, Caen Amiens, est-ce qu'on s'attendait vraiment à voir Caen mener 3-0 face à Amiens? Je suis pas sûr, hein, franchement, Caen gagner, ça aurait pu être prévisible, mais 3-0, je sais pas, et c'est Romain Thomas qui permet au Calais de mener 3-0 là sur un corner, tête croisée de Romain Thomas. Pas grand chose à vous décrire hein, si ce n'est que de vous dire que c'est la classique hein. La classique sur corner, Romain Thomas, on sait qu'il est, il est bon pour ça. Et ça fait 3-0 pour les Canets face à Amiens. 3-0 pour Caen face à Amiens sur la pelouse du stade Michel Dornano. Et c'est signé Romain Thomas pour le troisième but. Match interrompu au FC Barcelone. Ah, il s'est passé quoi David? Il s'est passé quoi pour le, entre le Barça et Cadiz je crois hein. Hop, attendez, entre le Barça et Cadiz, il s'est passé quoi là? Bah pourtant moi c'est marqué en cours, ouais. Attention avec le ballon là, peut-être on est entre Annecy et Quevilly. On est entre Annecy et Quevilly les amis. Annecy et Quevilly, toujours 0-0 entre Annecy et Quevilly pour le moment. Supporter blessé quoi? Interrompu en raison d'un spectateur blessé. Oui, je sais quoi ça. Oui, c'est quoi ça, les amis, là entre. Attendez, je vais mettre le match devant les yeux juste pour voir ce qui se passe. C'est sur quelle chaîne? C'est sur. Cadiz Barça, c'est sur. Ah, mais ok, sur Bean 1. Mais oui, mais Bean 1. En fait, il est terminé le match là, non? Attention parce qu'on va quand même rester en Ligue 2. Et le but! Le but pour les Valenciennes alors que Rodez vient de se faire réduire à 10 contre 11. Il vient de se prendre un carton rouge. Valenciennes, les amis, qui vient d'égaliser à l'instant la Ligue Valenciennes qui égalise sur la pelouse de Rodez. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Attention parce que là, du coup, tout est relancé. Rodez là qui menait mais qui est réduit à 10. Et le centre de Valenciennes dans la surface de réparation déjà dégagé dans un premier temps par Rodez. Et ensuite, ça revient à second poteau. La reprise de volée. Et ça fait un partout pour Valenciennes. Ils se sont un petit pas aller en mode bourrin hein, Valenciennes là franchement ça passait pas, ils ont forcé et ça a fini par passer et c'est signé Noubissi qui va permettre à Valenciennes de égaliser du coup face à Rodez. Un partout entre Rodez et Valenciennes là pour Noubissi dans la surface de réparation qui n'a plus qu'à tendre le pied pour faire trembler les filets là sur le centre d'un de ses coéquipiers venant de la gauche. Il y avait un espèce de cafouillage et Noubissi hop il a tendu le pied, il a mis ce ballon au fond des filets et ça fait un partout entre Rodez et Valenciennes. Égalisation des Valenciennes à l'instant. Ah oui mais du coup entre Cadiz et Barcelone bah c'est terminé en fait je crois entre Cadiz et Barcelone du coup les gars. Enfin c'est terminé, le match reprendra pas je crois. Oh le but, encore un autre but. Et cette fois-ci c'est Annecy, l'ouverture du score de Annecy face à Quevilly. L'ouverture du score de Annecy face à Quevilly les amis à la 73ème minute de jeu. Annecy qui ouvre le score. Oh là 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 là, l'ouverture du score de Annecy face à Quevilly Rouen alors qu'on est à la 75ème minute de jeu. Annecy qui ouvre le score et c'est signé un joueur que je connais pas encore mais je connais aucun joueur. Et c'est signé je sais pas alors qu'on a un joueur de Annecy là qui sort sur civière. Ouais, il voit ses partenaires célébrer alors qu'il sort sur civière. MDR, c'est il voit ses partenaires célébrer alors qu'il sort sur civière le gars quoi.
Mais voilà, on a un joueur de Annecy qui sort sur civière, mais en même temps on a le but à 75e minute de jeu. Je vais essayer de vous dire le buteur, mais c'est compliqué pour moi parce que je connais pas tous les joueurs de Ligue 2. Autant les joueurs de Ligue 1, bon bah voilà, ça va, mais les joueurs de Ligue 2, c'est plus compliqué. Mais en tout cas, c'est un ballon dans la surface de réparation qui traîne. Et après, il y a une reprise sauvée de la part du numéro 23. Oh, quel but par contre, hein. Et du coup, le numéro 23 pour Annecy, c'est Bossetti. Bossetti pour Annecy, quel but, la reprise de volée, c'est pas posé de question dans la lucarne. Et ça fait du coup 1-0 pour Annecy à l'instant. 1-0 pour Annecy face à Quevilly. 1-0 pour Annecy face à Quevilly. Ouais, je crois les amis, pour vous donner des informations rapidement. Bon voilà, nous on suit la Ligue 2 hein, ce soir, mais quand même je vous dis quand même des informations. Mais entre Cadiz et le Barça, en gros il y a 2-0 pour le Barça je crois actuellement. Et du coup le match il a été arrêté parce qu'il y a un supporter qui a fait un arrêt cardiaque, je crois les amis. Je crois que c'est ça. Il y a un supporter qui a fait un arrêt cardiaque, du coup c'est pour ça que le match est pour le moment arrêté. Voilà, voilà, juste on va pas en parler plus parce que bah on fait pas le match hein. Nous on commente la Ligue 2, mais quand même je pense que c'était important de le dire. En tout cas les amis, n'hésitez pas hein, toujours le petit like qui fait plaisir, l'abonnement toujours. Et le but entre Grenoble et Paris FC, l'égalisation de Grenoble au stade des Alpes les amis, à l'instant 78e minute de jeu, l'égalisation de Grenoble face au PFC, la côté gauche avec ah mais attendez, en fait ça part, ça c'est un contre en fait. Hein? Ouais, en fait ça part, ok d'accord, en fait ça part d'une attaque là pour le Paris FC. Ça part d'une attaque les gars pour le Paris FC. Ensuite Grenoble qui joue le contre. Ah mais attendez, mais qu'est-ce qu'ils nous font là sur Prime Video? Montrez-nous le but, non? Au lieu de nous montrer un vieux centre éclaté là, ils nous montrent un centre d'un Parisien. On s'en fout, nous on veut voir le but là. Je comprends pas. Ah ok, le but il nous montre que maintenant, d'accord. Donc en fait c'est un centre côté gauche pour wow, là la régie elle s'est plantée là. C'est un centre côté gauche là pour les grenoblois, un centre venant de la gauche, un centre en retrait, un petit peu un but à la FIFA hein. Tu viens, tu fixes le gardien, tu donnes un de tes coéquipiers. Hop là, le coéquipier il a plus qu'à remettre le ballon au fond des filets. Et ça fait un partout, égalisation du stade des grenoblois là au stade des Alpes. Et c'est signé Sani Yang du coup pour Grenoble les amis. Sani Yang qui égalise pour Grenoble. On rappelle les scores. Et par contre il y a tellement de buts, enfin il y a tellement de buts, il n'y en a pas des masses non plus hein, mais il y en a quand même beaucoup plus qu'en première mi-temps. Et voilà, il y a 1 et 3, 4, 4 et 2, 6, 6 et 2, 8, 8 et 1, 9, 9 et 2, 11. Il y a quand même 11 buts dans ce multiplex là sur 8 matchs, alors qu'à la mi-temps il y en avait seulement 1 hein, les amis. Donc c'est quand même pour vous dire la deuxième mi-temps qui est beaucoup mieux que la première. Et voilà, belle frappe de Sani Yang là pour permettre au Grenoble de revenir à égalité hein, partout entre Grenoble et le Paris FC. Les amis, merci encore à ceux qui like, et merci également aussi à tous ceux qui s'abonnent alors qu'on entre dans les 10 dernières minutes de ces matchs. On entre vraiment dans la partie intéressante hein, des matchs là où où tout va se décider tout simplement, là où en plus il y a du suspense pratiquement sur toutes les pelouses en plus hein. Il y a du suspense pratiquement sur toutes les pelouses en plus les amis, donc hop là. Et je rappelle hein, qu'à la fin de ce live là on va faire le match Marseille contre Lille hein, les amis. Je rappelle qu'à la fin de ce live là on fera Marseille-Lille, alors que là on va se déplacer sur la pelouse de New York, New York face au Havre. Il y a du suspense entre le New York et le Havre, et la frappe pour les New Yorkais qui a passé au-dessus des buts du gardien. Après hein, voilà, il y a pratiquement du suspense de partout. Bon, sauf à Caen, à Dijon, c'est vrai qu'il n'y en a pas, mais sinon à Annecy il y a du suspense, à Grenoble il y a du suspense, à Laval il y en a aussi, à Nîmes bah bien sûr, à New York aussi. À Rodez aussi, bref, vraiment il y a du suspense de partout, sauf sur la pelouse de Caen et de Dijon où ça semble quand même acté. Sinon vraiment il y a du suspense de partout. Alors que là on revient de revoir l'occasion Havraise qui ne donnera rien finalement. On en reste à 1-0 pour le Havre face à New York. Merci beaucoup Benoît pour ton abonnement. Merci à tous ceux qui s'abonnent encore, vraiment merci à vous tous pour votre soutien. Alors que là on va suivre ce dégagement à jouer pour le gardien Havraise. Allez, dégagement à jouer pour le gardien Havraise. Le dégagement qui sera joué, ce sera long en direction d'une tête havraise, et finalement ce sera sur la tête d'un Niortais. Et non, le Havre qui arrive à remettre le pied sur le ballon. Le Havre qui arrive à remettre le pied sur le ballon là. Attention, il y aura peut-être une occasion à jouer. Hop. Et on va se déplacer à Gaston Gérard les amis. Gaston Gérard ou Sochaux
Mène 2-0, Dijon est mené sur sa pelouse, les Sochaliens en profitent, les Sochaliens sont heureux bien sûr. Et ça fait du coup 2-0 là pour l'UFC Sochaux-Montbéliard, alors que Tony Mauricio sort, Rolly Pereira de ça rentre. Salut mon Skyzen, salut Skyzen, j'espère que tu vas bien. Salut à toi Skyzen, let's go Anne Silmé Zuccoli. Mais voilà, les Sochaliens pour le moment qui mènent les amis là sur la pelouse de Dijon, hein, vraiment c'est une belle opération. Hein. Sochaux qui gagne face à Dijon et Caen qui gagne face à Amiens, je pense que c'est les meilleures opérations de la soirée, hein, je pense. Hein. Et Annecy aussi, Annecy qui gagne face à Quevilly. Annecy c'est comme Saint-Etienne. Hein. Annecy c'est comme Saint-Etienne, ils ont fait un début de saison dégueu et là ils commencent à revenir, c'est comme Saint-Etienne sauf qu'ils n'ont pas eu de malus de 3 points. Voilà, c'est tout. Mais sinon c'est exactement comme Saint-Etienne à un point près quoi. Attention avec le ballon dans les pieds de Sochaliens. Les Sochaliens qui vont pouvoir peut-être aller inscrire le but du 3-0 qui permettrait de vraiment terminer ce match tranquillement, alors qu'on va se déplacer du coup sur la pelouse de Rodez. Rodez-Valenciennes, vraiment il y a beaucoup de suspense hein, partout entre Rodez et Valenciennes. On rappelle que Rodez est réduit à 10 mais il vient quand même d'avoir une belle occasion pour Rodez et un excellent arrêt de la part de l'Arseneur. Quel arrêt pour l'Arseneur, honnêtement quand j'ai vu le ballon partir je me suis dit bah le seul moyen c'est qu'il y ait une barre ou un poteau parce que le gardien je vois pas comment il peut aller le chercher, mais non, elle était cadrée et c'est bel et bien Larsonneur qui a arrêté ce ballon. Quel arrêt de Larsonneur. On en reste à un partout toujours entre Rodez et Valenciennes. Mais comme quoi Rodez est à 10. Ils sont fait égaliser Rodez, mais ils ont bien failli marquer le but du 2. Hein. Les amis, c'est vraiment un truc de fou. Allez, Laval Pau. Laval Pau les amis. Laval Pau, toujours 0-0 entre Laval et Pau. Laval Pau pour le moment toujours 0-0 entre Laval et Pau, ça a l'air. Merci beaucoup Thierry. Merci beaucoup Thierry pour ton abonnement. C'est vraiment pas un match de fou. Mais voilà, il en faut des matchs comme ça. Hein, et du coup ouais, c'est juste sur la pelouse de Nîmes, sur celle de Laval et sur celle de. Bah, c'est tout, c'est juste sur ces deux pelouses là où il n'y a pas eu de but. Sinon il y a des buts à peu près de partout. Attention, l'occasion peut-être de 3-1 là sur la pelouse de Caen. L'occasion de 3-1 sur la pelouse du stade Michel Dornano. Peut-être que les Amiénois peuvent revenir à 3-1. On est toujours sur la pelouse de Laval avec le centre lavallois qui sera finalement dégagé. Et on en reste à 0-0 entre Laval et Pau alors qu'on est dans les 7 dernières minutes de ce match. Je rappelle qu'à la fin de ce multiplex, les amis, la soirée ne sera pas finie puisqu'on va vivre Marseille-Lille, le choc. Je pense que c'est le plus gros match du week-end avec, Lyon-Monaco qui est quand même un cran au-dessus. Mais voilà, Marseille-Lille, gros choc quand même. Et on suivra ça donc sur la chaîne. Et voilà le but pour les Amiénois entre Caen et Amiens. Le but pour les Amiénois entre Caen et Amiens. Les Amiénois là qui reviennent à 3-1 là sur un corner là aussi classique, pas compliqué à vous l'écrire. Corner venant de la droite, une tête croisée. Alors quoi, ça s'énerve entre le gardien de Caen et le buteur Amiénois, parce que le buteur Amiénois qui veut aller prendre le ballon pour vite le mettre sur le. Sur le rond central, mais finalement le gardien qui n'est pas d'accord, donc l'arbitre va un petit peu calmer tout ça. Mais voilà, 3-1, corner, tête croisée dans la surface de réparation, et ça fait 3-1 toujours pour Caen, mais quand même Amiens revient. Il reste 7 minutes à jouer, de quoi faire douter un petit peu les Canets. Attention, on va se déplacer peut-être sur une autre pelouse rapidement. Ouais, franchement les amis, ça c'est quand même très comment dire. C'est les fins de match, elles nous offrent du suspense et elles nous offrent du spectacle aussi. Ce qu'on n'a pas eu en première mi-temps, on l'a en fin de match quoi. C'est incroyable. Allez, attention parce que là on va quand même du coup se déplacer sur la pelouse de. Enfin, on est toujours d'ailleurs sur la pelouse de Caen contre Amiens. 3-1 tour pour Caen, il reste plus que 8 minutes à jouer. But de Amiens, Noumé les Capucines, exactement. GG, salut ici, j'arrive un peu tard. Salut Paul, pas de soucis Paul, la soirée elle est pas du tout terminée parce qu'après il y aura Lille contre Marseille à suivre en direct. Bien sûr, allez le hack, merci pour ce live. Noumé Biou, salut à toi Biou, Bilou. Je sais pas, en tout cas, salut. Sochaux 3-0, j'espère toujours 2-0 hein, pour les Sochaliens. La face à Dijon là pour le moment avec un ballon dans les pieds des Bastia. On est entre Nîmes et Bastia. Nîmes contre Bastia, toujours 0-0 entre les Nîmois et les Bastia dans un match à 10 contre 10 hein, puisque chaque équipe s'est pris un carton. Je rappelle que voilà, après on suivra Marseille contre Lille, hein, les amis, en direct sur la chaîne. Marseille contre Lille, je vous mets le lien en message épinglé comme ça vous l'aurez. Mince, à partir de 20h50. Hop. Et bien sûr on va suivre cette fin de match comme ça, voilà, je vous mets le lien. Comme ça vous savez qu'après il y a Marseille-Lille et après j'arrête de vous saouler avec ça. Comme ça on peut suivre vraiment le match comme il se doit quoi. Voilà, comme ça c'est tout bon.
Hop, je vous les épingle le message. Allez, on va revenir du coup sur les matchs, les amis. Du coup, et le but entre Laval et Pau. Le but entre Laval et Pau. C'est un des seuls matchs où il n'y avait toujours pas de but. Maintenant, c'est juste sur la pause de Nîmes où il n'y a pas de but parce qu'entre Laval et Pau FC, c'est bel et bien les Palois qui viennent ouvrir le score face aux Lavalois. 1-0 pour la 85e minute de jeu. Et ça y est, vraiment, les buts là arrivent vraiment en deuxième mi-temps. On a eu plein de buts comparés en première. En même temps, en première mi-temps, on a eu qu'un seul but. Tous les autres buts de ce multiplex, à part le premier but de Sochaux, sinon tous les autres buts, ils ont eu lieu en deuxième mi-temps. Mais voilà, un ballon venant de la gauche pour les Palois. Le centre en retrait pour l'attaquant Palois qui a d'abord galéré un petit peu à mettre le ballon au fond des filets. Il me semble que c'est Yatara qui permet aux Palois de ouvrir le score. Mais je suis pas sûr, je vais quand même vérifier ça. Mais en tout cas, voilà, c'est lui qui a été servi de la droite par un de ses partenaires. Il a d'abord redressé le ballon pour essayer de mettre au fond des filets, mais c'est le gardien qui l'a arrêté. Avec un peu de chance, ça lui est revenu dans les pieds. Il a fait une espèce de talonnade et ça a fonctionné puisqu'il permet à son équipe d'ouvrir le score 1-0 pour Pau. Et je crois bien que c'est Yatara, mais je suis pas sûr. On va quand même vérifier ça. Ah ouais, alors après, est-ce qu'il est hors jeu? Je sais pas, mais. Attendez, est-ce que c'est Yatara ou pas? J'essaie de regarder qui c'est. Non, c'est pas Yatara. Non, c'est pas Yatara, les amis. C'est pas Yatara en fait qui marque. C'est un entrant en jeu. C'est Baswamina. Baswamina, le Congolais, du coup, qui permet aux Palois du coup de mener 1-0. Voilà, je vais y arriver. Attention, on va quand même se déplacer là, entre Grenoble et Paris FC. On va se déplacer entre Grenoble et le Paris FC. Grenoble, Paris FC. Toujours un partout. Oh, le penalty pour le Paris FC. Le penalty pour le Paris FC entre Grenoble et le Paris FC, les amis. Penalty à jouer pour le Paris FC. L'occasion de 2-1 pour les Parisiens. Merci à tous ceux qui s'abonnent. On est bientôt 21 110. Punaise, c'est incroyable. Merci beaucoup, les amis. Et merci pour les 168 likes encore. Attention, le penalty à jouer là pour le Paris FC avec le numéro 7 qui va s'élancer pour tenter d'aller inscrire le but. Du 2-1 peut-être, et c'est Kairi qui va s'élancer. Kairi s'est frappé et c'est dedans, il n'a pas tremblé. Kairi devant le gardien de Grenoble et les Parisiens qui passent devant. Ils avaient déjà ouvert le score, les Parisiens, ensuite ils se sont fait égaliser et là de nouveau ils marquent le but du 2-1, les Parisiens. 2-1 pour le Paris FC, c'est signé Kairi sur penalty, le contre-pied parfait, et ça fait 2-1 le Paris FC qui repasse devant. On va faire un petit point de classement parce que ces buts c'est bien beau hein, mais il faut voir ce que ça donne un petit peu au niveau du classement. Et vous le voyez, les amis, Sochaux premier, Le Havre deuxième, Caen troisième, Bordeaux reste quand même toujours quatrième. Je vais regarder la suite du classement, etc. Saint-Etienne qui repasse 15e, mais puisque Laval est en train de perdre, Queville est en train de perdre, ils sont quand même, et que Niort est en train de perdre, ils sont quand même 15e, toujours les Verts. Voilà, Annecy est 12e, etc. Je vous laisse regarder le classement, mais en tout cas, le deuxième but de Parisien, hein. C'est tellement cruel, mais FC Taco, ça va, c'est le foot. Hein. Salut. But de Valenciennes, je crois. Non, il n'y a pas eu de but de Valenciennes, Jordi. Je te le confirme, ils en ont bavé. Pau nous met Sean Bouvier. C'est vrai qu'à la 85e minute de jeu, Pau qui vient inscrire le but de l'ouverture du score, alors qu'il reste environ une minute dans ce multiplex. Ensuite, on ira se déplacer sur la pelouse du stade Vélodrome pour suivre le match Marseille-Lille. Ça va être un très gros match, hein. Marseille-Lille, les amis, et Marseille-Lille, un très 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 gros live. Hop. Hop. Allez, voilà, côté gauche, là, du côté des Chamois. Hop là. Alors qu'on est du coup entre Le Havre et... On est entre Le Havre et... C'est pourquoi j'ai le son à fond dans les oreilles là. Ok. Ok, c'est bon, on est entre Rolaise et Valenciennes, j'avais un son à fond dans les oreilles là, j'entendais même plus ce que je disais. Voilà du coup les gars pour le classement, tac, on revient au match, on est entre Le Havre et Valenciennes, toujours un partout, entre Rolaise et Valenciennes, bon, qui va être récupéré là peut-être par les Valenciennois, c'est contre Nîmes le prochain match de Sochaux. Je sais pas, c'est à cause peut-être que les supporters nîmois, puisqu'il y en a dans le chat, et même les supporters socholiens pourront te répondre, mais moi je sais pas. Honnêtement, le ballon qui va être dégagé, on l'a regardé je crois tout à l'heure, hein. Mais je me rappelle plus, alors qu'on entre dans le temps additionnel entre Dijon et Sochaux.
On entre dans le temps additionnel entre Dijon et Sochaux, les amis. Alors qu'après, on va suivre Marseille-Lille. Je rappelle sur la chaîne, hein, après la soirée n'est pas finie, on suit Marseille-Lille. Là, on entre dans les dernières minutes à peu près sur toutes les pelouses. Le corner dijonnais qui vient d'être frappé, finalement, ça donnera rien. On en reste toujours à 0-0 pour le moment. Hop là. Alors que du coup il y aura un dégagement là entre Annecy et Quevilly. Il y aura un dégagement entre Annecy et Quevilly. Annecy et Quevilly toujours 1-0 là pour Annecy pour le moment. Je rappelle les scores, hein. Annecy qui mène 1-0, Caen qui mène 3-1, 2-0 pour Sochaux face à Dijon, 2-1 pour le Paris FC face à Grenoble, 1-0 pour Pau face à Laval, 0-0 entre Nîmes et Bastia, 1-0 pour Le Havre face à Niort et 1 partout entre Rodez et Valenciennes. Pour le moment voilà en ce qui concerne des scores, on rappelle que Saint-Etienne a gagné 2-0 sur leur plus face à Bordeaux cet après-midi, hein, ce qui obligeait les équipes de bas de tableau, notamment Niort, Laval, Quevilly ou Pau encore hein, de gagner, ou même Rodez, ce que n'a pas fait Laval, ce que n'a pas fait New York, Quevilly ou Rodez, mais ce qu'a très bien fait Pau, hein, puisque Pau est à 10e place de 17e place du classement pour le moment, juste derrière Quevilly et l'AS Saint-Etienne. En tout cas là on est entre Nîmes et Bastia. Nîmes Bastia, ou deux cartons rouges les amis, deuxième carton rouge pour les Bastia à l'instant. Deuxième carton rouge pour les Bastia à l'instant les amis, deuxième carton rouge pour Bastia. Alors que Nîmes était à 10 contre 11 pratiquement tout le long du match, ils ont ensuite été à 10 contre 10. Et là ils sont en supériorité du numérique puisqu'ils sont à 10 contre 9. Les Nîmois en supériorité numérique, deuxième carton rouge pour les Bastia les amis. Oh là là là, deuxième carton rouge pour les Bastia là, il faut qu'ils se calment quand même les Bastia. Oh là là là, deuxième carton rouge là pour les Bastia. Nîmois 10 contre 9, c'est quoi ce match de foot, oh. Ça va terminer en match de. En match de handball là. Hein. 10 contre 9 là il joue. Allez LOSC le mec Gauthier, donc voilà, LOSC Marseille, on le suivra juste après. Hein. Le match commence dans 10 minutes hein, et nous il faudra qu'on vite qu'on arrête ce live là pour commencer un autre live. Ça va être la course, ça va être la course, mais on va y arriver les gars, on va y arriver. J'espère on gagne nous mêmes Mohamed. Bah en vrai là il reste une minute. Il reste 40 secondes dans le temps réglementaire. Il va sûrement avoir un peu de temps additionnel entre Nîmes et Bastia. Il y a moyen d'aller chercher quelque chose. Il y a vraiment moyen d'aller chercher quelque chose là pour les Nîmois hein, puisque maintenant ils sont à 1 de plus à 10 contre 9. En plus je pense qu'à 10 contre 9 c'est peut-être même mieux d'être à 10 contre 9 qu'à 11 contre 10 je pense en vrai hein. Parce qu'il y a encore plus d'espace sur le terrain. Mais bon après toi t'es quand même aussi un de moins. Et en plus là à la fin du match ça va être compliqué pour les Bastia. En tout cas là toujours 0-0, toujours 0-1 aussi pour les Havrais face à Niort, 3 minutes de temps additionnel entre Le Havre et Niort les amis. Le Havre contre Niort, plutôt Niort contre Le Havre, 1-0 toujours pour Le Havre. L'arbitre qui va appeler les joueurs là parce qu'il y a eu un petit carton. Enfin il y a eu un carton dans le sens, il y a eu un contact quoi les amis. Et voilà là ça fait 40 secondes que l'on joue au-delà du temps additionnel de prévu. Les deux joueurs concernés qui se check, c'est bon, tout va bien. En tout cas c'est la fin du match entre Niort et Le Havre, c'est la fin du match. Victoire 1-0 des Havrais, c'est le premier match qui se termine. 2-1 aussi pour le Paris FC, c'est terminé. Mais voilà, je rappelle, hein, la soirée est vraiment très loin d'être terminée puisque nous on va suivre Lille contre Marseille, plutôt même Marseille-Lille puisque c'est au Vélodrome, les amis. Et on va aller à Dijon, on va aller à Dijon où Dijon est mené 2-0 toujours là par les Sochaliens avec un petit ballon par-dessus. Ça va sortir finalement en sortie but à jouer là pour Sochaux. Sortie but à jouer pour Sochaux. C'est quoi ce bruit là? J'ai eu un bruit bizarre. Attention, il y aura un ballon peut-être dans les pieds. Des Dijonais, les Dijonais qui vont pouvoir relancer la propre à leur camp. Attention le dégagement, on va vite se déplacer entre Annecy et Quevilly parce que là il y aura peut-être une occasion pour Quevilly, mais finalement on en reste à 1-0. Victoire de Annecy 1-0, victoire de Paris FC 2-1 c'est terminé, victoire de Sochaux 2-0 c'est terminé, victoire de Pau 1-0 c'est fini, 1-0 pour Le Havre face à Niort c'est fini. On est dans le temps additionnel entre Caen, sur la pelouse de Caen, de Nîmes et de Rodez où c'est pas encore terminé les amis. Mais voilà la victoire de Annecy qui vient de se terminer hein, grâce à ce buteur là Bozetti qui a fait vraiment un très gros match. On va se déplacer entre Rodez et Valenciennes.
Valenciennes. Rodez Valenciennes, c'est pas encore terminé entre Rodez et Valenciennes. Il y a eu un carton rouge pour Rodez qui semble tenir hein, le match nul hein, les amis. Rodez, le nul on prend nommé Mohamed. À jamais les premiers de tous les clubs français au hack. Allez, le Havre nommé Bilou qui ne saute pas n'est pas vrai, nommé Monsieur Bonbon. Bon point nommé Mohamed. C'est vrai que pour les Nîmois ça reste quand même un bon point. Parce que c'était pas gagné. Ils ont quand même été à 11 contre 10. Bon là ils finissent à 10 contre 9. Du coup tu peux dire qu'il y a des regrets. Mais pendant la plupart du match ils étaient à 10 contre 9. Ça reste quand même un 11 contre 10 plutôt. Ça reste quand même un beau match pour les Nîmois et un plutôt bon point. Alors que là on est toujours entre Rodez et Valenciennes. Même si c'est pas encore terminé entre Rodez et Valenciennes et entre Nîmes et Bastia. Alors que ça vient de se terminer sur la pelouse de Caen. Victoire des Canets au stade Michel Dornano. Bah on doit les pieds la proie pas de Rodez. Il reste plus que 15 secondes à jouer. La tête pour Rodez qui sera finalement récupéré là par les Valenciennois. La frappe peut-être, ce sera finalement dégagé par les Valenciennois. Toujours un partout entre Rodez et Valenciennes. Allez, il faut mettre ce ballon d'abord la surface de réparation là pour les Valenciennois pour espérer peut-être aller arracher une victoire. Alors je rappelle, hein, on se retrouve sur le lien que je vous ai mis dans le message épinglé ou que je vous ai mis également dans le chat hein, sur le lien là pour suivre Marseille-Lille puisque la soirée n'est pas terminée, les amis, loin de là. Elle fait commencer en fait la soirée limite hein, avec un très gros Marseille-Lille. C'est quand même le plus gros match de la journée. On a eu un très beau match entre Saint-Étienne et Bordeaux hein. Beau multiplex, je dirais pas très beau multiplex, un beau multiplex. Et là on aura un beau Marseille contre Lille également. Attention, le coup franc là pourra pas jouer là pour les Valenciennois. C'est bien frappé la tête valencienne qui va passer à côté. L'arbitre va signaler peut-être la fin du match entre Rodez et Valenciennes. C'est toujours pas fini aussi entre Nîmes et Bastia hein. C'est toujours pas fini entre Nîmes et Bastia. Mais nous on a un match qui commence à 21h. Dépêchez-vous un petit peu s'il vous plaît, le multiplex Ligue 2 quand même. C'est terminé entre Rodez et Valenciennes. Et c'est terminé entre Nîmes et Bastia. C'est les amis, c'est terminé de partout. Voilà, excusez-moi, je me suis trompé, j'ai appuyé sur le mauvais bouton, mais voilà, c'est terminé de partout. On rappelle les scores, 1-0 pour Annecy, 3-1 pour Caen, 2-0 pour Sochaux, 2-1 pour le Paris FC, 1-0 pour Pau, 0-0 entre Nîmes et Bastia, 1-0 pour Le Havre et 1 partout entre Rodez et Valenciennes. Je vous montre rapidement le classement et je suis désolé les amis, mais on se retrouve tout de suite sur le lien que je vous mets dans le chat et que vous avez aussi en message épinglé. On se retrouve pour Marseille-Lille, le live il est déjà programmé. Le live il est déjà programmé les amis sur la chaîne et il faut que je me dépêche. J'aurais dû commencer le live à 20h50, il est 20h55. Le match entre Marseille et Lille commence dans 5 minutes, donc il faut que je me dépêche. Je vous dis à tout de suite pour Marseille-Lille. Je suis vraiment désolé mais on peut pas rester plus longtemps parce que Marseille-Lille ça commence dans 5 minutes. Allez, à tout de suite les gars pour Marseille-Lille. Je vous ai remis le lien dans le chat, je compte sur vous. À tout de suite.